Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle communication. Avant de pouvoir débuter, prière, s'il vous plaît, de m'indiquer si vous me recevez correctement. Merci. Ok, parfait, merci. Donc apparemment, vous me recevez correctement. Alors, je commencerai par indiquer qu'en réalité, ce live était prévu pour débuter un peu plus tard dans la journée. Mais malheureusement, j'ai un contretemps en fin de journée, raison pour laquelle je le débute un peu plus tôt. Voilà, donc je prierai ceux qui avaient déjà pris le rendez-vous, dans le fond, pour pouvoir assister au live, eh bien, de m'en excuser, dans le fond, parce que c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté que j'ai dû engager cette discussion un peu plus tôt dans la journée. Et j'espère en tous les cas qu'ils auront quand même encore le bénéfice du différé ou alors qu'ils vont nous rejoindre en cours de route. Voilà, donc bienvenue à tous, hein, bienvenue à cette nouvelle communication. Je suis content de vous retrouver. Je reconnais quelques noms déjà qui me sont familiers. Voilà, alors le sujet du jour, hein, c'est un sujet relativement important, j'allais même dire très important. Et la matière est aussi relativement dense. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, disons, débuter un peu plus tôt. Comme ça, nous aurons au moins le temps d'aller au fond des choses. Et j'aurai peut-être l'occasion de répondre à quelques questions si, au bout de ce marathon que nous allons engager maintenant, il y a encore quelques questionnements sur des points que j'aurais survolés. Alors, je commencerai par répondre à quelques questions qui m'ont été adressées suite au dernier, la dernière communication qui portait sur la crucifixion d'Osiris. Alors, ces questions n'ont pas directement, n'ont pas un lien direct, disons, avec le sujet. Il y a Alphonsine qui posait la question de savoir où trouver les lois de la nature en l'observant ou en se basant ou en étudiant nos langues. Alors, je dirais que, en fait, les deux hypothèses sont justes. À celle-ci, j'ajouterais également ce qui a déjà été enregistré, disons, pour ce qui concerne les corpus égyptiens ou négro-égyptiens, il y a un ensemble d'éléments qui se rapportent, disons, au commandement de la Maat. Je crois qu'il y en a 42 qui sont quand même documentés. Cela donne déjà une certaine idée de la manière dont la question a été perçue par les Africains de la période pharaonique. Et plus récemment, il y a également les corpus Dogon avec lesquels nous travaillons, je dois lui dire, quand même dans le cadre de l'école des scribes, et qui énonce un certain nombre d'éléments qui se rapportent précisément à ce que nous appelons les interdits. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Il y a Joad qui a posé la question de savoir si le mot Afar avait un lien avec le mot Afrique. La réponse est non, tout au moins à ma connaissance, parce que le mot Afrique a une origine nébuleuse. On ne sait pas trop d'où il vient. Il y a comme ça plusieurs hypothèses. Et bien honnêtement, bon, peut-être pour ceux qui s'y intéressent, ils pourront se pencher un peu plus sur la question, mais en ce qui me concerne, il est clair que c'est un nom qui est appelé à être changé, c'est évident. Il y a Rivintude qui a posé une question relativement aux anges en Afrique et par rapport aux ailes des anges et à la couleur, avec ceci comme idée que ce serait, disons, une invention plutôt récente que nous devons particulièrement aux christianistes européens, on va dire, vu
du fait précisément de l'aspect des anges et le fait qu'ils aient été comme ça des nomades. Il le dit en citant les travaux de Kalala Omotunde. Alors, c'est des travaux que je ne connais pas. Ceux-là, en tout cas, je ne les connais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que les mots des anges sont liés aux mots du souffle dans les langues africaines. Et il faut le savoir, par exemple, je donnerai quelques exemples comme ça que j'ai pu noter. En Kibembe, on dit papu pour dire les ailes. En Douma, c'est l'ipapi. Donc, le mot, c'est toujours papa, papé, etc. En Dosso, on dit pépé. Et on verra, par exemple, en Kikongo, on dit mpeveyalongo pour signifier, par exemple, en français, le Saint-Esprit. Donc, les ailes sont en fait une manière d'illustrer la notion d'esprit, hein, de souffle, d'esprit. Donc, il faut bien le comprendre, ceci n'a aucun lien, évidemment, avec les hypothèses qui ont été énoncées préalablement. Et pour ce qui concerne la couleur blanche précisément donnée aux anges, il faut savoir que cette couleur doit être associée à la notion de lumière, parce que la question des anges, des génies, entre guillemets, ou des anges, cette question est essentiellement liée à la notion de lumière, parce qu'ils émanent tous de ce qu'on appelle la lumière, en quelque sorte. J'ai tenté comme ça de l'illustrer lors de la précédente communication, en me servant par exemple du pilier sacré d'Osiris, qu'on appelle le pilier Djed en égyptologie, qui est en quelque sorte le vecteur de la lumière dans le monde. Et c'est de cette... On a bien montré, j'ai pu illustrer en fait la relation que les mots précisément de ce symbole entretiennent avec les mots des jumeaux qui sont dans la description des anges. Voilà ce que je peux dire, hein, ça me paraît suffisant pour apporter, disons, quelques pistes de réflexion. Et enfin, Esvald qui posait la question de savoir si c'est difficile de retourner au nom authentique. Ben, c'est déjà une question de volonté personnelle pour ce qui concerne les individus, bien entendu. Et ensuite, pour ce qui concerne les territoires, les éléments un peu plus consistants, on va dire, qui incluent naturellement la volonté d'un plus grand nombre, eh bien, ceci émane essentiellement de la volonté politique. On l'a vu par exemple au Burkina Faso, qui n'a pas toujours porté ce nom. Vous savez que c'est une réforme qui a été engagée par le président Sankara. Et aujourd'hui, plus personne ne songe à appeler ce territoire la Haute-Volta. Donc, ce n'est qu'une question de volonté politique et ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Naturellement, conduire de tels changements, de telles révolutions en quelque sorte. Voilà, donc voilà les questions que j'ai reçues, hein, celles qui m'ont paru les plus pertinentes. Et comme j'ai dit à chaque fois, pour ceux qui ont des questions concernant les communications qui sont les nôtres, prière de mettre les questions en commentaire à la fin du live, en fait, parce que cela me permet de revenir sur des points peut-être que j'ai pu survoler. Et ça me permet également d'affiner les analyses qui ont été faites. Voilà. Donc, on va pouvoir débuter. Alors, je commencerai cette communication, je l'ai dit, elle porte sur les fondements spirituels de la civilisation égyptienne, les fondements spirituels de l'état pharaonique. Et je commencerai par un énoncé de principe en citant le professeur Cheikh Anta Diop. Professeur Cheikh Anta Diop qui disait ceci. L'Égypte a joué vis-à-vis de l'Afrique noire le même rôle que la civilisation gréco-latine vis-à-vis de l'Occident. L'Égypte a joué vis-à-vis de l'Afrique noire le même rôle que la civilisation gréco-latine vis-à-vis de l'Occident. Un spécialiste européen d'un domaine quelconque des sciences humaines serait malvenu de vouloir faire œuvre scientifique s'il se coupait du passé gréco-latin. Un scientifique européen d'un domaine quelconque des sciences humaines serait malvenu de vouloir faire œuvre scientifique s'il se coupait du passé gréco-latin. Dans le même ordre d'idées, les faits culturels africains ne retrouveront leur sens profond et leur cohérence que par référence à l'Égypte. Dans le même ordre d'idées, les faits culturels africains ne retrouveront leur sens profond et leur cohérence que par référence à l'Égypte. On ne pourra bâtir un corps de discipline en sciences humaines qu'en légitimant et en systématisant le retour à l'Égypte. Je reprends. On ne pourra bâtir un corps de discipline en sciences humaines qu'en légitimant et en systématisant le retour à l'Égypte. Cheikh Anta Diop l'écrivait dans Civilisation et Barbarie, un ouvrage qui, comme vous le savez, a paru en 1981.
Alors, cette note est introductive, elle est importante parce qu'elle permet en fait de statuer sur l'importance que nous accordons au corpus que nous allons développer aujourd'hui, puisqu'il s'agit, vous le savez, de traiter des fondements spirituels de la civilisation égyptienne. Et cela suppose naturellement, par voie de conséquence, de parler des fondements spirituels des civilisations négro-africaines tout court, parce que naturellement, ce qu'on trouve en Égypte pharaonique a le bénéfice d'être extrêmement ancien, mais évidemment, le pattern, j'allais dire le canevas, le cadre, n'a pas changé. Donc, les peuples subsahariens ont toujours évidemment la même carte quand vient le temps, bien sûr, pour eux, d'énoncer ce qu'ils appellent la civilisation. Voilà. Alors, l'Égypte pharaonique, c'est un état bien déterminé. Je pense que chacun n'a aucune peine à reconnaître cette carte. Je ne veux pas passer trop de temps à décrire la carte en soi. Ce sur quoi je porterai davantage une attention maintenant, en introduction, c'est sur l'importance des figures que vous avez ici à l'image. D'une part, Isis, bien sûr, et de l'autre, Osiris. Ce sont des noms, évidemment, que nous utilisons, disons, non pas par convention, parce que on comprend quand même leur origine, on comprend pourquoi les Grecs et les Latins ont utilisé ces formules, puisque le grec et le latin s'inspirent de ce que dit déjà le copte, parce qu'en copte, on dira notamment Osiré ou Osiri pour désigner ce personnage qui devient Osiris en grec, en gréco-latin. Et bien sûr, on dit Esé ou Esi pour signifier Isis en gréco-latin. Donc, mais dans le cas présent, naturellement, j'utilise généralement ces formules parce que ce sont des noms que vous connaissez. Et dans l'idée que, de toute manière, de tels exercices, ce que nous conduisons dans le cadre comme ces communications, permettent quand même de corriger, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, la manière de dire, la manière de nommer. Voilà. Donc, je commencerai premièrement par insister sur ces deux figures, parce qu'il faut savoir que l'essentiel de ce que je vais dire aujourd'hui émane en quelque sorte de la compréhension qu'on peut avoir de la dialectique qui anime ces deux personnages, d'une part Isis et de l'autre Osiris. Osiris, c'est un personnage central dans la civilisation égyptienne. Osiris, c'est la pierre angulaire de la civilisation tout court. L'Égypte pharaonique en tant que nation a été conçue comme le corps d'Osiris. Puisque vous connaissez l'histoire, le corps d'Osiris ayant été démembré, chaque morceau de ce corps passait pour représenter une province, hein, que les Grecs vont appeler les nomes. Voilà. Et le corps d'Osiris rassemblé signifiait le pays uni, l'unité du pays en quelque sorte. Donc c'est bien important d'avoir ce début, parce que si on parle des fondements spirituels, on comprendra très vite qu'en réalité, nous parlons déjà en quelque sorte de politique, puisque il ne vous a pas échappé qu'au-delà d'être décrits comme des dieux et des déesses, Isis et Osiris passent aussi, d'après la passion d'Osiris, pour avoir été des rois. Donc il n'y a pas de dissociation entre le fait spirituel et le fait politique dans ce contexte. Donc, c'est bien important de comprendre que lorsque nous allons aborder donc la question des fondements spirituels, ce sera pour évoquer dans un sens les fondements spirituels de l'unité subsaharienne, de l'unité africaine, si on veut, de l'unité des peuples kémites. Parce qu'au-delà des nations, l'unité se fait d'abord à travers les peuples. C'est la volonté des peuples qui est manifeste à travers l'unité des territoires, évidemment. Donc, il est déjà bien important de comprendre finalement comment nos ancêtres en fait percevaient cette question et pourquoi. Évidemment, cette question ne fait pas l'économie hein, de la spiritualité, d'une certaine façon. Parce que, à part les temps récents, on n'a pas toujours ces perspectives à l'esprit lorsque nous parlons, par exemple, de politique. Mais il faut savoir que la politique est éminemment spirituelle et qu'il n'y a pas de renaissance africaine possible sans, évidemment, une dose essentielle et non pas homéopathique, mais essentielle de spiritualité, évidemment. Donc, c'est un sujet très important, vous verrez, il touche plusieurs domaines et je commencerai simplement par cet énoncé, car cet énoncé permet, disons, de poser les premières briques qui vont nous permettre de construire le temple que nous allons bâtir aujourd'hui. Voilà. Donc, Hérodote disait à propos de l'origine des anciens Égyptiens une chose importante. Dans Euterpe, qui est, disons, je vais dire le chapitre, en quelque sorte, ou tout au moins la partie de son ouvrage qui traite de l'Égypte pharaonique. Voici ce qu'il disait. Manifestement, en effet, les Colchidiens sont de race égyptienne, mais des Égyptiens me dirent
Qu'à leur avis, les Colchidiens descendaient des soldats de ces Austrices. Alors, parfois, le terme Colchidien est traduit par Colche, hein, c'est la même chose. Il faut simplement le savoir. On peut dire Colchidien ou Colche, ça revient au même. Manifestement, en effet, les Colchidiens sont de race égyptienne, mais les Égyptiens me dirent qu'à leur avis, les Colchidiens descendaient des soldats de ces Austrices. Je l'avais conjecturé moi-même d'après deux indices. D'abord parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. À vrai dire, cela ne prouve rien, car d'autres peuples encore sont dans ce cas, précise Hérodote. Ensuite, et avec plus d'autorité, pour la raison que, seuls parmi les hommes, les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens pratiquent la circoncision depuis l'origine. Les Phéniciens et les Syriens de Palestine reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont appris cet usage des Égyptiens. Alors, pourquoi j'introduis cette communication par cette note? C'est simplement pour signifier en quelque sorte la communauté culturelle ou l'unité culturelle qui unit Égyptiens et Éthiopiens, d'après la perspective des Grecs. Parce que les Grecs faisaient une distinction dans le discours entre Égyptiens et Éthiopiens, mais nous verrons très tôt qu'en réalité, cette distinction appartient évidemment premièrement aux Grecs et dans une certaine mesure aux anciens Égyptiens qui, quand même, dans leurs textes, pour désigner les Éthiopiens, c'est-à-dire les Nubiens, utilisaient une graphie que nous allons étudier, que nous allons parcourir aujourd'hui, qui permettra aussi naturellement de comprendre comment les anciens Égyptiens percevaient leurs voisins du sud, tout au moins ces populations qu'on appelle les Nubiens ou plus généralement les Éthiopiens. Voilà. Donc, voici ce que dit Hérodote au sujet. Donc, disons, cette affinité, on va dire, qu'observent Égyptiens et Éthiopiens. Et pour illustrer donc cette affinité, il parle des Colches. Alors, pour dire rapidement, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que la Colchide, qui est le pays des Colches ou des Colchidiens? La Colchide était un territoire situé sur les bords de la mer Noire. OK? Donc, du côté, on va dire de l'actuelle, la mer Noire du côté de l'actuelle Russie, hein, c'est par ces lieux que se situait en fait ce territoire, ce qui montre quand même la grande projection des peuples de l'Antiquité, des peuples subsahariens, vers l'Europe, vers l'Asie d'une certaine façon, parce que il faut quand même se représenter la géographie pour bien comprendre que Hérodote, rendu dans ces territoires, a été parfaitement étonné d'y trouver des populations qui avait comme ça, d'après lui, une ascendance égyptienne, ce qui montre bien qu'évidemment, les populations subsahariennes avaient depuis très longtemps parcouru l'Europe. Donc, c'est important quand même, parce que souvent, quand on aborde ces questions, on n'insiste pas suffisamment sur ces aspects, disons, des géopolitiques, en quelque sorte. À la suite d'Hérodote, Diodore de Sicile ajoute « Les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont des colons venus de chez eux et qu'Osiris prit la tête de cette colonisation. » Donc, écoutez bien ce que je dis, car c'est important. Hein. Si je commence par cette note, qui, je pense, certains d'entre vous connaissent déjà en fait ces passages, mais vous allez comprendre pourquoi ils sont fondamentaux dans l'exercice que nous avons à réaliser aujourd'hui. Diodore de Sicile déclare que les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont des colons venus de chez eux et qu'Osiris prit la tête de cette colonisation. Et il ajoute que la plupart des coutumes égyptiennes sont, selon eux, éthiopiennes, c'est-à-dire selon les Éthiopiens, les colons ayant conservé leurs traditions anciennes. Donc, cette note permet simplement de statuer sur l'origine, en fait, des anciens Égyptiens et sur les motifs pour lesquels, naturellement, cette distinction n'est pas de type phénotypique. C'est-à-dire que lorsque les Égyptiens, les anciens Égyptiens sont appelés tels et les Éthiopiens aussi tels, c'est-à-dire Éthiopiens et Égyptiens, cela ne relève pas d'une description, j'allais dire du point de vue du phénotype. Ceci est essentiellement, on va dire, politique, on peut le dire de cette façon, ou tout au moins rhétorique. Hein, voilà. Donc, les Éthiopiens, consultés par Diodore de Sicile lorsqu'il visita l'Égypte autour du 1er siècle de l'ère actuelle, ou avant l'ère actuelle, lui ont dit que les Égyptiens étaient en fait des Éthiopiens qui avaient suivi le cours du fleuve en fait pour s'établir dans ce territoire qui va devenir l'ancienne Égypte, c'est-à-dire la civilisation égyptienne. Autrement dit, puisqu'il place Osiris à la tête de cette colonisation, entre guillemets, cela suppose donc qu'Osiris avait une origine nubienne, c'est-à-dire une origine éthiopienne. Ok.
Ayant dit ceci, puisque j'ai quand même déjà assez, comment dire, engagé la conversation, je vais juste m'assurer, encore une fois, que vous me suivez et que tout se passe bien de votre côté. Au moins, ça me permet de m'assurer qu'on est parti et que les choses sont déjà mises en place. Merci. Ok, donc apparemment, c'est parfait. Merci hein, pour votre réactivité. Comme j'ai dit, ceci me permet de m'assurer que vous arrivez à suivre et que tout se passe bien de votre côté également. Voilà. Donc, à la suite de cela, nous allons maintenant engager une discussion autour du nom de ce fondateur qui est appelé Osiris dans le texte de Diodore de Sicile, puisque Diodore de Sicile nous dit que c'est ce personnage qui aurait fondé la civilisation égyptienne. Et nous allons approcher ce nom d'après une approche analytique que nous avons baptisée la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes. C'est un exercice que j'ai souvent fait dans certaines circonstances, donc je vais le refaire aujourd'hui pour attirer votre attention sur le fait, évidemment, que ce nom est naturellement polysémique et qu'il y a plusieurs significations en quelque sorte, hein, parce que j'ai souvent abordé la question de la signification de ce nom. Mais il ne s'agit pas naturellement, puisqu'il s'agit d'un corpus hiéroglyphique, d'imaginer que quand on a dit Osiris, on a compris de quoi on parlait. Non, absolument pas. Donc il faut savoir approcher la question d'un point de vue maintenant analytique pour bien comprendre finalement quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous lorsque nous voulons questionner le sens de ce nom, qui renvoie de toute façon toujours à la même objectivité, c'est-à-dire le siège et l'œil. Voilà. Donc, pour ce faire, je ferai simplement un rappel. Car m'a été donné de faire déjà cet exercice il y a quelques jours, donc je reprendrai seulement ce que j'ai fait déjà. Je dirais ceci. Le nom, lui, Osiris, repose principalement sur deux signes, à savoir le siège et l'œil, qui figurent dans la graphie que nous venons d'exposer. Les valeurs phonétiques de ces deux signes sont connues en copte. Le copte étant, vous le savez, réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens, ce qui suppose naturellement que ce que dit le copte a une pertinence objective. Parce que, évidemment, si le copte entretient un vocabulaire pour signifier siège d'une part et œil de l'autre, cela veut dire que ceci était également en perspective dans la pensée des anciens Égyptiens lorsqu'ils pensaient, ou tout au moins lorsqu'ils écrivaient le nom d'Osiris. D'accord? Donc, en copte, par exemple, le siège correspond au mot si ou se qui signifie siège, place. Tandis que l'œil en copte se dit éré. Et cela est d'ailleurs conforme, vous le voyez, à la translittération, puisque le siège est translittéré ST, le T étant une désinence pour la forme du féminin, c'est-à-dire une terminaison qui ne se prononce pas. La même chose pour l'œil, l'œil est lu tout au moins translittéré IRT, mais le T c'est une terminaison pour signifier que c'est un mot féminin, donc il ne se lit pas. Voilà pourquoi le copte dit d'un côté si et de l'autre éré. Et naturellement, à la suite de cela, j'ai introduit le malinké, qui, je l'ai souvent rappelé à plusieurs occasions, observe des affinités remarquables avec le copte, d'après notamment les travaux de Lisa Somburger, qui avait, dans les années 20, statué sur le fait que le copte survivait à travers de nombreux parlers qu'elle avait su enregistrer du côté du Soudan occidental, notamment le Bambara, le malinké, pour ne citer que ces exemples. Donc, en malinké, par exemple, on dira si. Pour signifier s'asseoir, rester habité. Donc, c'est le thème du siège, c'est exactement le mot que le copte entretient, vous le voyez. Et en malinké, pour dire faire voir ou montrer, donc en relation évidemment avec l'œil, on dira yira, par exemple, ou yita, vous le voyez, dépendamment du malinké qu'on parle, mais la structure phonétique peut varier quand le mot est toujours le même, hein, parce que c'est le R qui devient un T et vice-versa. Ce sont des règles de correspondance usuelles au sein des langues africaines. Il ne faut pas y voir l'expression d'un mot différent, bien entendu. Donc, évidemment, le malinké yira correspond au copte ere. Quand le copte dit œil, le malinké dit faire voir, montrer, puisqu'on comprend la relation immédiate qui associe l'œil à l'action de faire voir ou de montrer. Tout comme le copte si, siège, place, évidemment correspond au malinké si qui signifie s'asseoir, puisque le siège suppose l'action de s'asseoir et on comprend donc pourquoi il y a comme ça ce sens qui est retenu notamment par le malinké.
Donc, si on doit lire maintenant ce nom, puisque le sémantème de la divinité, c'est-à-dire le déterminatif qui représente un homme assis avec la barbe recourbée, signifie simplement que c'était un dieu ou un roi, eh bien, cette description que je suis en train de faire suffit pour atteindre le sens du nom d'Osiris, tout au moins la vocalisation en quelque sorte, la vocalisation courante. Parce qu'en malinké, on dira Sira, tout comme en copte, on dira Siré, hein, Siéré. Si on lit, si on associe donc les deux, disons, morceaux, les deux parties de cette graphie en un seul mot, on obtiendra en malinké Sira. Et je rappelle, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, c'est le nom de l'œil, notamment dans certaines langues de la zone dite Bantou, puisqu'en fang, par exemple, on dit Zir. Zir pour signifier l'œil, comme en teke, hein, si ma mémoire est bonne, je crois, on dira Ziri pour signifier l'œil. D'accord? Donc, ce sont des thèmes très importants. J'avais aussi mentionné lors d'une communication précédente que le nom d'Osiris était en relation avec l'expression de l'ancienneté. Et enfant, pour encore citer le fan, on dit Sira pour signifier l'ancien. Sira, par exemple, c'est un titre que portent les, disons, les dignitaires, ce qu'on appelle les notables dans la tradition. Voilà, donc c'est quand même important de pouvoir le comprendre déjà de cette façon parce que ça permet réellement d'installer en quelque sorte ce personnage que nous appellerons Osiris par commodité, disons, dans l'univers négro-africain au sein des traditions des peuples subsahariens. Car naturellement, cette manière de dire n'a pas disparu. Il faut simplement, pour nous, l'exercice consiste simplement à rappeler que ces signes que vous voyez exposés de cette façon se prononcent et constituent une langue parlée. Sauf que les hiéroglyphes ont cette faculté essentielle et fondamentale pour être précisément ce qu'on appelle la parole divine, de rendre compte du parler, des parler de la plupart des peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. C'est en cela que c'est la parole divine. D'après leur nom même, lorsqu'on translittère Médou Nétière, ça veut exactement dire la parole divine, ou les paroles divines, si on veut. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour la vocalisation, on se limitera, disons, au malinké. Cela permet d'introduire le sujet. Si. Et je rappelle que j'introduis le nom d'Osiris à la suite de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire à la suite du fait qu'on dit que Osiris est d'origine éthiopienne, c'est-à-dire nubienne, et qu'il a fondé la civilisation égyptienne, d'après les Éthiopiens qui se sont entretenus avec Diodore de Sicile lorsqu'il a visité l'Égypte autour du 1er siècle avant l'ère actuelle. C'est à la suite de cela que j'introduis le nom d'Osiris. Et il ressort donc de cette introduction qui est certes relativement, disons, incomplète, puisqu'on peut dire encore plein d'autres choses à la suite de cela. Hein. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'analyser le nom d'Osiris, mais simplement de mener comme ça un parcours assez cohérent pour ceux qui souhaitent comprendre réellement. Donc, il suffit simplement de comprendre que cette graphie peut se lire Sira, et c'est une structure phonétique qui répond parfaitement au Siri, hein, d'accord? Donc, c'est évident. Voilà. Maintenant, je dis ceci. Les valeurs prononcées proposées par le copte et le malinké que nous venons de voir conduisent premièrement au nom du cuivre. Ça, je l'ai dit il y a quelques jours, je le redis maintenant parce que c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, les valeurs proposées par le copte et le malinké conduisent premièrement au nom du cuivre au sein des langues soudanaises. En Bambara, on dit Sira ou Zira pour signifier le cuivre jaune, si vous voulez. En malinké, le mot devient Sila pour signifier le cuivre. Car c'est le R qui devient un L. En Dalonké, c'est Sila pour signifier le cuivre. En Kakabé, Sila pour signifier le cuivre. En Soninké, c'est une mutation, on dira Kiré pour signifier le cuivre. C'est une mutation du même thème, d'accord? Et en Songhai, Siré, c'est rouge, d'accord? En Bozo, c'est Sita pour signifier le cuivre. Donc on voit bien que de Sira, on parvient à Sila et ensuite à Sita, car naturellement, il s'agit ici d'une mutation, en fait, de la consonne R qui devient un L et ensuite un T. Rappelons que le cuivre, je l'ajoute, est le métal consacré à la quadrigéméléité. Nous verrons précisément de quoi il s'agit. Et se trouve être, par conséquent, une expression de la complétude, de l'intégrité, de la totalité, qui sont les caractéristiques du premier principe que représente le chiffre 1. Alors, à la suite de ce que je viens de dire, concernant notamment l'exercice phonétique que j'ai introduit, même si cela ne me semble pas très sophistiqué, est-ce que vous parvenez à comprendre le cheminement que je suis en train d'engager. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ce qu'on appelle la linguistique, tout au moins ces exercices, peuvent parfois paraître assez compliqués. Voilà. Donc, je m'efforce réellement de simplifier au maximum, simplement pour que vous puissiez suivre. Donc, quand je dis que Sira devient Sila, puis Sita, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à le comprendre? Prière simplement de l'indiquer si c'est le cas. Merci.
Ok, parfait. Si c'est clair, comme semble indiquer certains d'entre vous, eh bien, on va pouvoir poursuivre, car c'est fondamental de partir du bon pied quand même. Et je rassure hein, ceux qui prennent en cours, qui ne sont pas en retard. C'est moi qui débute un peu plus tôt, parce que j'ai des contraintes en fin de journée, donc j'ai souhaité simplement débuter un peu plus tôt. Mais nous sommes en train de débuter tout simplement. C'est encore l'introduction quasiment là. Voilà. Donc, rassurez-vous, OK? On aura le temps vraiment d'aller dans le détail. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, si c'est clair, ce que je dis relativement au sens du nom d'Osiris pour ce qui concerne le métal qui est identifié, auquel Osiris s'identifie, c'est le cuivre. Pour de nombreuses raisons, dont notamment la relation que ce métal entretient, je l'ai dit, hein, avec la quadrigéméléité. Nous allons voir de quoi il s'agit, bien entendu. Bon, maintenant, je vais donc introduire la Nubie, puisque je viens de vous dire que si j'ai parlé des Nubiens en introduction pour signifier qu'ils sont à l'origine de la civilisation égyptienne, si j'ai dit que Diodore de Sicile dit que d'après les Éthiopiens, les Égyptiens sont des colons venus de Nubie pour donc s'installer dans la vallée, et qu'à la suite de cela, on dit qu'Osiris aurait pris donc la tête de cette colonisation. Et qu'on comprend que le nom d'Osiris, bien sûr, désigne le cuivre, j'arrive maintenant au thème générique des Nubiens et de la Nubie en égyptien pharaonique. Donc, pour signifier la Nubie ou les Nubiens, il existe deux graphies. Nous allons les voir aujourd'hui. Voici la première. Donc, ici, à gauche, vous avez le thème de la Nubie, c'est translittéré Ta-Séti. Et à droite, vous avez le thème des Nubiens, c'est translittéré Sétiou, pour dire les Nubiens. D'accord? Bon. Cette graphie que vous aviez à l'image, pour ce qui désigne donc notamment la Nubie, est ordinairement traduite par le pays des archers ou la terre de l'arc. Pourquoi? En vertu du signe qui paraît dans la graphie, qui est naturellement, vous le verrez, ce qu'on appelle un signe directeur dans ce contexte, et qui représente une sorte d'arc archaïque égyptien. Ça, c'est ce que disent les égyptologues. Donc, je reprends cette note parce que maintenant, nous allons introduire la figure des Nubiens. Parce que si nous parlons des fondements spirituels de la civilisation égyptienne et que nous comprenons que cette civilisation a été fondée par les Nubiens, il faut donc comprendre à quoi se rapportent les fondements spirituels, la tradition spirituelle des Nubiens. C'est voilà la raison pour laquelle j'ai introduit donc les Nubiens pour qu'on comprenne précisément de quoi il s'agit. OK? Bon. Cette graphie. Translittéré Ta-Séti, hein, comme vous le voyez à l'image, c'est une convention, je le dis peut-être pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est une convention en égyptologie, ce n'est pas un vrai mot qui existe dans la vraie vie, non. C'est une manière simplement de faciliter une compréhension en égyptologie pour signifier que nous parlons de la Nubie. Et les valeurs que vous observez ici sont des valeurs phonétiques affectées aux différents signes qui constituent la graphie. D'accord? Donc cette graphie est ordinairement traduite par le pays des archers ou la terre de l'arc. En vertu d'un arc qui paraît dans cette graphie et qui, pour le contexte, est évidemment ce qu'on appelle le signe directeur dans le relief de la méthode Kuma, c'est-à-dire le signe qui à lui seul suffit finalement à solutionner la graphie. On le verra notamment par le vocabulaire que cet arc va introduire, cela permettra évidemment de comprendre. Alors, je tiens quand même à dire que cet exercice que nous sommes en train de réaliser est très important parce que l'Éthiopie, la Nubie, joue un rôle fondamental dans la formation de la civilisation égyptienne. Pour comprendre l'Égypte pharaonique, vous devez comprendre la Nubie. Et c'est un exercice qui n'a pas toujours été conduit, disons, avec clairvoyance. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore rencontré vraiment une littérature objective sur ce que sont que les Nubiens, ni la place qu'ils occupaient dans la civilisation égyptienne. Et naturellement, les égyptologues auront tout fait de leur affublé de tout type de noms, hein, les nègres, les ceci, les cela, bon voilà. Comme si, évidemment, les Égyptiens anciens avaient cette perspective, puisque quand on rencontre parfois le texte, dans le texte égyptien, le nom des Nubiens, on traduit ça en français par nègre, ce qui n'a absolument aucun sens, vous en conviendrez. Donc, c'est quand même aussi l'occasion pour moi de signifier quand même cette avancée rendue possible grâce à la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens, parce que nous allons solutionner ce thème. Et j'espère qu'à la suite de cela, d'ailleurs, je vais le valider avec vous, à la suite de cela, tout le monde sera d'accord. Je l'espère, parce que c'est aussi une question, disons, d'exercice. C'est-à-dire, vous devez comprendre ce que je dis, et sur cette base, tirez vous-même vos propres conclusions. Si vous ne comprenez pas, naturellement, n'hésitez pas à m'interpeller dans le chat, et je prendrai un plaisir, naturellement. C'est pour moi, d'ailleurs, un privilège que de clarifier ce qui n'a peut-être pas été dit de manière tout à fait claire. Donc, je reprends.
En égyptien pharaonique, vous avez deux graphies pour signifier les Nubiens et la Nubie. Voici le premier thème. Le second viendra ensuite. Mais voici le premier thème, d'accord? À gauche, vous avez le nom de la Nubie, Transitéré Taseti. À droite, vous avez le nom des Nubiens, Transitéré Sétiou. Et cette graphie en contexte est habituellement traduite dans les manuels de vulgarisation par les égyptologues par le thème pays des archers ou par la terre de l'arc. En vertu du signe qui représente un arc qui paraît dans cette graphie, qui décrirait donc, d'après les égyptologues, un arc archaïque égyptien. Je vais utiliser une technique développée dans le cadre de la lecture analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma, la technique des homographes, pour aller vite, parce que ça peut être plus long, mais si c'est plus long, ça suppose aussi d'être beaucoup plus précis, c'est-à-dire de mobiliser encore plus de données, mais dans un exercice comme celui-ci, puisque cette communication est publique et est faite en fait pour populariser la démarche qui est la nôtre et évidemment aussi la matière que nous traitons. Je ne trouve pas nécessaire vraiment d'aller dans le détail. Dans un contexte comme celui-ci, dans le cadre des cours, c'est possible, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, hein, je dois quand même vous le dire, mais je me limite à des choses assez simples, parce que chacun est capable de comprendre. Ici, vous avez ce qu'on appelle un homographe du nom du Nubien et de la Nubie, puisqu'on reconnaît l'arc, qui est ici toujours signe directeur, bien entendu. D'accord? Mais ce qui change, évidemment, sur les déterminatifs, c'est une sorte de boule. Une sorte de boule en dessous de laquelle il y a placé trois traits pour signifier qu'il y en a beaucoup, c'est tout. Hein? En égyptien pharaonique, c'est comme ça qu'on exprime la multitude d'une certaine façon. OK? Mais évidemment, la translittération est toujours la même. C'est Transitéré Séti, vous le voyez, mais ça désigne quoi? Ça désigne un minerai nubien ou l'ocre jaune de Nubie. C'est ce que vous rencontrez dans les dictionnaires. Donc, je reprends. Écoutez bien ce que je dis, c'est très important. OK? Bon. En haut, ici, à l'image, vous avez un homographe. Qu'est-ce que c'est qu'un homographe? Un homographe, c'est une graphie qui partage les mêmes signes, mais qui a un sens différent. Nous avons vu précédemment le thème des Nubiens et de la Nubie. Nous avons vu que ce thème hiéroglyphique se détermine ou se définit d'après un signe qui représente un arc archaïque égyptien. Et cet arc est repris dans ce contexte pour désigner cette fois non plus la Nubie, mais un minerai nubien ou l'ocre jaune de Nubie. OK? C'est ce qui est indiqué là, vous le voyez. Bon, maintenant, la translittération est aussi la même. Cela suppose donc que quand je dis dans la langue des Égyptiens, ou quand je désigne ce fameux minerai nubien, ou cette ocre jaune de Nubie, je suis aussi en train de désigner le pays lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est le même mot, hein, j'espère que chacun le conçoit. Alors, je vais d'ailleurs le vérifier, parce que je peux me faire des idées, peut-être que vous ne le concevez pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand je suis en train de dire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que, puisque ce sont des homographes, cela suppose des homophones, c'est-à-dire les mêmes signes produisant les mêmes sons. Si je rencontre un signe qui se dit A, dans tous les contextes possibles, il aura toujours la valeur A. Donc, ça veut dire en clair que si les Nubiens sont nommés d'après l'arc, ça suppose que le minerai aussi est nommé comme le Nubien et vice-versa. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique ou ça vous paraît compliqué? Ok, ça super. Merci, Marine dit qu'elle est d'accord. Aizen dit qu'il est d'accord. Kakonde est d'accord. Namori est d'accord. Bon, écoutez, si vous êtes tous d'accord, ok, c'est logique. Parfait, merci. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, j'ajoute un étage supplémentaire. En bas, vous avez des variantes graphiques de la graphie d'en haut. C'est-à-dire, vous avez deux variantes graphiques qui désignent toujours le même objet, c'est-à-dire un minerai de Nubie ou l'ocre jaune de Nubie. Sauf que maintenant, le scribe égyptien fait quelque chose de particulier, c'est qu'il remplace l'arc archaïque par d'autres signes. À gauche, il remplace par le signe qui renvoie au thème générique du métal. Hein? Cette sorte de, je ne sais pas comment décrire ceci, hein? En tout cas. C'est pas tout à fait une demi-lune, mais en fait, ça ressemble à quelque chose comme enfin, c'est décrit comme une plaque de métal, hein, en contexte. Je dois quand même dire les choses clairement pour ceux qui
ont un dictionnaire hiéroglyphique, ils sauront évidemment s'orienter pour retrouver le signe en question. Et de toute manière, ici, vous avez quand même la codification, c'est-à-dire vous avez les codes émis par, proposés par Alan Gardiner, ce qui permet quand même de faire des recherches beaucoup plus certaines si on recherche réellement les éléments. Mais en tous les cas, donc en bas à gauche, vous avez le même nom, le même objet qui est désigné, mais avec des signes différents, notamment le premier signe qui remplace l'arc, mais qui représente une plaque de métal. Et ce signe-là a le sens générique de métal en égyptien pharaonique. D'accord ? Bon. Et en bas, à droite, vous avez un visage, disons-le comme ça pour l'instant, qui remplace l'arc archaïque nubien. Mais le sens est toujours le même. Ocre jaune de Nubie, minerai nubien. Est-ce que chacun voit ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que chacun comprend ce que je dis? Ok. Kakonde dit que c'est clair. Bougie Serge Pacom dit oui, c'est pur. Parfait, merci. C'est excellent. Ok, parfait. Je pense que si ça l'est pour vous, ça l'est pour tout le monde, hein, j'imagine. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas. Hein, s'il y en a parmi vous qui ne comprennent pas, n'hésitez pas. Je prendrai peut-être le temps, disons une seconde, deux secondes pour vraiment repréciser les choses, mais c'est clair. Donc, je dis ceci. Vous avez ici un homographe du nom de la Nubie. En haut, c'est exactement le même thème avec le signe qui convient pour signifier la Nubie. D'accord? C'est un arc archaïque égyptien. En bas, vous avez les variantes de ce thème qui désignent en fait un minerai nubien. Donc, à gauche, vous avez l'arc qui est remplacé par une plaque de métal. D'accord? Et cette plaque de métal, en contexte, est un déterminatif générique pour signifier les métaux en égyptien pharaonique. Et en bas, à droite, vous avez un visage qui remplace l'arc archaïque. Okay? Et on verra tout à l'heure de quoi il s'agit précisément. Hein? Je vais vraiment engager la discussion par rapport à ce visage. Parce, pourquoi? Parce que ce n'est encore pas clair si je m'avance vers le sens de métaux. Ce n'est pas clair parce que ça peut être tout type de métal, d'accord? Et de toute manière, un minerai nubien peut bien être un métal, donc je ne serai pas plus avancé. Par contre, ce qui détonne dans le choix des éléments pour remplacer, tout au moins des signes pour remplacer l'arc, c'est ce visage qui vraiment sort de l'ordinaire. Et on doit se poser la question de savoir, mais pourquoi le scribe estime que c'est toujours le même mot? Pourquoi il estime que c'est toujours le même mot et il translitère toujours de la même façon? Cela peut signifier que ce visage-là, en contexte, prend le sens de l'arc et du métal. C'est ce que ça veut dire, en fait, si vous suivez la logique. C'est ce que ça veut dire. Bon. C'est donc ce visage, parce que c'est le plus complexe, que je choisis. Parce qu'évidemment, qui peut le plus, peut le moins. C'est comme ça que je réfléchis. C'est ce que disait Shekanta Diop. Donc, si c'est sa méthodologie, c'est aussi la nôtre. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, parce que c'est plus compliqué que je vais là, dans le sens où si j'arrive à solutionner ce problème, si... C'est que pour tout le reste là, c'est évident. Ça va devenir une évidence en fait. Hein? C'est la raison pour laquelle je sélectionne donc ce signe, qui est aussi signe directeur dans ce contexte, vous le voyez, parce qu'il remplace valablement l'arc ou le thème générique du métal. Bon. Ce signe, le voici en contexte. Lorsque vous allez dans un dictionnaire hiéroglyphique, vous le trouvez en contexte de cette façon. Il est pour signifier le nez ou les narines. Pourquoi je fais cet exercice? Parce que souvent, il y a peut-être des personnes qui se posent la question de savoir, mais quel est le lien entre le Nubien et puis le nez? Et puis, n'allez pas dans ce genre de questionnement. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de suivre une piste qui a été enclenchée par le nom du Nubien. Le nom du Nubien introduit le nom d'un minerai, Nubien. Dans le nom du minerai, Nubien, on se sert comme signe directeur du signe qui est déterminatif dans ce contexte-ci. Ça veut dire que, puisqu'il est déterminatif ici, le nom qu'il prend dans son propre contexte renseigne nécessairement le nom de ce minerai. C'est ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de lien apparent, je préfère le dire de cette façon, parce que quand au fond, il y a toujours un lien, parce que au-delà des descriptions que je fais, qui sont quand même relativement superficielles, vous devez le savoir, s'il y a ce lien dans les hiéroglyphes, c'est-à-dire que dans la ritualité, on va retrouver des éléments de cette nature. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous le dire parce que c'est un exercice que nous faisons, je le sais. D'accord? Mais puisque c'est des aspects que je ne vais pas développer dans un contexte comme celui-ci, je me limite donc à une simple explication.
Ne cherchez pas a priori de lien. Le lien existe, mais pour vous, ce sera trop difficile. Prenez juste la chose comme je vous dis, c'est-à-dire que l'exercice est enclenché par le nom du Nubien et de la Nubie. En contexte, ce nom a un homographe. Et son homographe a des variantes graphiques, dont une sollicite le déterminatif « si », qui représente un visage, et qui, en contexte, rend compte de l'idée « nez » ou « narine ». Est-ce que c'est clair ce que je dis jusqu'ici? Parfait. Merci Marlene, merci Onko, merci Kevin, merci Lawrence. Ok, parfait. Donc, si c'est clair, on est donc d'accord pour signifier que, en contexte, ce déterminatif, c'est-à-dire ce signe qui est ici en position de déterminatif, c'est-à-dire de classificateur, si vous voulez, désigne le nez ou les narines. Maintenant, il a une solution en copte. C'est ça qui est facile. Parce que si vous arrivez à signifier une solution en copte, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le copte lit cette graphie chat, nez, odorat. Cette graphie-ci correspond au copte chat qui signifie nez, odorat. Mais le mot copte est une variante phonétique du ngambaï. Le ngambaï, c'est une langue très importante, c'est une langue sara qui est parlée au Tchad. Okay? On dit ça pour signifier non pas nez, odorat, mais fumer, tabac, fumer. Et on comprend la relation. D'accord? On comprend la relation qui unit le nez ou les narines à l'action de fumer. J'espère que vous n'aurez pas de difficulté à faire ce lien. Parce que c'est de ce lien que répond cette graphie-ci. En Baï, qui est également une langue sara parlée au Tchad, dans la région tchadique tout au moins, on dit ça pour dire fumer. Mais en Bambara, on dit sira. Un sira pour signifier le tabac. OK? Et si vous observez maintenant la translittération de la graphie, vous verrez que c'est plutôt cette forme-ci qui est attestée. Parce que le signe qui est comme un rectangle, je vais dire ça comme ça, représente un bassin en réalité. Sa valeur, c'est che. OK? Le signe qui est comme une bouche ouverte, qui est en dessous de ce fameux rectangle, sa valeur, c'est R. Donc, le copte, en fait, introduit déjà une mutation assumée par les langues tchadiques. Quand il dit chat, c'est ça pour dire fumer, tabac, fumer. Mais la structure phonétique de la graphie, hein, qui est SR ou CHER, c'est Sira, un Sira, tabac, en Bambara. Et pourquoi le déterminatif, c'est le thème du nez? Parce que c'est le tabac à chiquer. Okay? On dit par exemple, Saramine pour dire chiquer, ou Saraforum pour dire priser le tabac. Donc c'est une action du nez. Voilà pourquoi c'est le déterminatif ici. En Malinké, on dit Sara pour dire le tabac. Chez les Dogons, généralement, c'est Sara, Siré pour dire le tabac. En Aoussa, c'est Asara pour dire le tabac. En Songhai, c'est Sira pour dire le tabac, et je rappelle que c'est le nom du cuivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'exercice que je suis en train d'exposer? Est-ce que vous comprenez la démarche? Et pourquoi? Voilà, je prends quand même le temps de l'exposer de cette façon. Est-ce que c'est clair pour vous? OK, parfait. Donc, Item dit que c'est clair, Pacom aussi, parfait. Bon, je pense que c'est clair. Donc, en fait, ceci veut dire quoi? Si vous suivez mon raisonnement, parce que quand je dis en Dogon, Siré, le tabac, c'est le nom d'Osiris. J'espère que vous l'entendez. Et sachez que les anciens Égyptiens, je ne sais pas s'il faut encore le rappeler, connaissaient le tabac, évidemment, puisque le tabac a été retrouvé dans le tombeau de Pharaon Ramsès II, notamment. C'est une part essentielle, d'ailleurs, du travail de Christiane Desroches-Noblecourt, qui est dans les années 70, la fin des années 70, plus exactement, je crois, en 1978, elle avait conduit des recherches sur la momie. On avait découvert comme ça, curieusement, du tabac, parce qu'on pensait que le tabac était, enfin, et c'est le cas, en fait, une plante originaire d'Amérique latine. Donc, cela suppose donc que les anciens Égyptiens, évidemment, commerçaient avec les populations qui vivaient en Amérique latine.
ce qui est quand même important. Enfin, ce territoire qui est appelé aujourd'hui l'Amérique latine, à cette époque, évidemment, c'était un peu différent. Voilà, ce n'était pas tout à fait latin. D'accord? Mais c'est important quand même de comprendre cela. Et vous voyez que c'est le nom d'Osiris, c'est important. Et vous verrez pourquoi j'insiste sur ces éléments. Et le plus important encore, c'est qu'il s'agit précisément du nom du cuivre. Parce que vous allez comprendre finalement ce que c'est que ce fameux minerai nubien. Cet ocre jaune. Hein? Parce que l'ocre jaune, évidemment, c'est le cuivre. C'est la couleur cuivrée. J'arrive maintenant aux commentaires. Bon, j'ai dit ceci. Écoutez bien ce que je dis ici, c'est très important. La racine Séti, revendiquée par le signe qui représente l'arc archaïque, est mise en relation avec le copte Sité. Hein, ça, c'est la valeur effective de ce signe. En copte, c'est Sité pour signifier lancer, jeter. Voilà pourquoi on dit les archers, okay? Ou le pays de l'arc, qui est responsable du mot sauter, qui signifie la flèche. Donc, ça, c'est la valeur. Donc, c'est ST, c'est la valeur de ce signe. Maintenant, je dis ceci. Le copte Sité, lancer, jeter, est un homophone du bozo Sita, cuivre jaune. Cuivre jaune. Voilà pourquoi c'est l'ocre jaune de Nubie. D'accord? C'est le cuivre ou une poudre cuivrée. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand vous considérez la graphie pour désigner le Nubien, en Mandinka, on dit Sila. C'est le nom du cuivre pour signifier quoi? Pionnier, colon. C'est un mot qui dérive de si pour signifier s'asseoir, s'installer, habiter. On dit par exemple en contexte à Sitamane pour signifier il s'est installé à l'étranger. D'accord? Donc, le nom des Nubiens signifie les pionniers dans ce contexte-ci. Parce que l'idée pionnier, l'idée colon est associée au cuivre. Puisque, principe fondamental, vous le verrez par la suite. Et c'est la raison pour laquelle les populations, justement, qui ont, disons, cette charge historique dans le contexte égyptien et l'Égyptien ancien eux-mêmes, utilisaient justement l'ocre rouge pour se teindre, pour se oindre, même les cheveux. Parce que parfois, vous verrez dans des fresques égyptiennes, les Nubiens avec des cheveux roux. C'est pour signifier cela. C'est pour signifier qui sont les pionniers. Et leur pays, c'est le pays du cuivre. C'est le pays d'Osiris. Hein, ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Ok, Laurence dit que c'est clair. J'espère que c'est clair vraiment pour tout le monde. Vous devez vraiment le comprendre. C'est fondamental. C'est très, 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 très important, comme on dit. D'accord? C'est vraiment fondamental. Ok? Alors, il y a une question de Kwechi et Christian. Comment s'inscrire à l'école des scribes? L'adresse, vous l'avez ici. Hein, c'est l'association JLI. Vous écrivez à cette adresse. JL.I@yahoo.com et on va vous renseigner. Voilà. Il s'agit simplement de faire la démarche, écrire à cette adresse, Christian, et on te répondra, disons. Tu auras la discussion avec l'administration de l'école, ils sauront t'orienter. Voilà, donc je reprends juste ceci, car c'est quand même important, parce que il faut quand même savoir ceci, c'est important, d'accord? Le Mandinka, c'est une langue de Sénégambie, c'est une langue mandingue, hein, je le dis, parce que peut-être il y en a qui ne le savent pas. Cette graphie que vous avez ici à l'image, pour signifier les Nubiens, correspond notamment au Mandinka Sila, qui est une variante de Sita, pour signifier le cuivre. Je l'ai dit en introduction, d'accord? Ok? Mais en Mandinka, Sila signifie le pionnier, le colon, qui vient de Si, pour signifier s'asseoir, s'installer. Exemple, à Sitamane. Donc, vous voyez qu'en contexte, on dit Sita, c'est le cuivre. À Sitamane, il s'est installé à l'étranger. D'accord? Donc, c'est pour signifier les pionniers. Voilà pourquoi les Éthiopiens disaient, à Diodore de Sicile, que les Égyptiens sont une colonie conduite par Osiris dans la vallée pour fonder cette civilisation. Parce qu'effectivement, les Nubiens revendiquent le thème du cuivre. Et leur pays, quand on transitère Taseti, peut tout aussi bien signifier le pays des cuivrés. Ou le pays du cuivre, ça c'est clair et c'est net, puisque le minerai lui-même est associé au pays, je l'ai montré précédemment. Cela peut donc supposer qu'il y avait une relation évidente de ce point de vue-là. Ok?
Bon. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez donc l'usage de l'encre rouge, qui est encore effectif hein, aujourd'hui en Afrique, que ce soit du côté de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie actuelle. Il y a plusieurs peuples utilisent l'encre rouge en contexte. Et en Afrique australe aussi, il y a des peuples qui utilisent l'encre rouge pour soindre la peau. Et ça, cela signifie beaucoup de choses, notamment la qualité de peuple premier, c'est-à-dire ceux même qui ont, en quelque sorte, la charge historique de la naissance, en quelque sorte, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanité. Parce qu'il faut bien comprendre que si les anciens Égyptiens utilisent ce thème, c'est parce qu'ils étaient bien évidemment conscients déjà de l'antériorité des choses. Ils savaient très bien que l'humanité était née, bien évidemment en Afrique, mais également dans cette région que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le Kenya, etc. Voilà, donc c'est bien important de mettre tout ceci en perspective parce que cela permet aussi de rénover en quelque sorte le discours déjà rappelé par la paléontologie, mais déjà connu aussi par les auteurs de l'Antiquité, puisque Diodore de Sicile dit clairement que l'humanité est née dans le Midi. Ce qu'il appelle le Midi, c'est l'Éthiopie. Voilà. Et ce sont les premiers hommes, il le dit clairement, il appelle ces hommes les autochtones. Il le dit clairement. Donc, c'est bien que ce rapport était acquis. Donc, moi, le point sur lequel réellement je considère avoir à insister, c'est de vous signifier ce que signifie le Nubien en contexte. Il est toujours associé au cuivre, vous le verrez, mais en contexte, le mot existe, c'est Silla, hein, qui signifie le pionnier, le colon. D'accord ? Donc, c'est eux qui vont peupler, hein, en fait, déjà de l'Afrique, évidemment, et qui vont générer toutes les civilisations, puisque l'humanité est née là. Donc, on ne peut pas imaginer autre chose, évidemment. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas tout à fait le pays des archers. Même si ça plaît beaucoup aux égyptologues, ce n'est pas tout à fait cela. Okay, il faut pouvoir y introduire quelques corrections, même si quant aux fonctions, on comprend ce qu'on dit, on n'a pas besoin d'insister. Bon, maintenant, l'élément essentiel aussi sur lequel je peux attirer votre attention, c'est le fait que même en tant que déterminatif, l'individu a sous lui trois boules. Ces boules symbolisent, vous devez le savoir en contexte, les minerais, hein, les métaux. Les minerais, d'une manière générale, c'est le déterminatif générique pour les minerais. Ça signifie une chose claire, ça signifie que cet individu est associé à un minerai. Et en l'occurrence, bien sûr, il s'agit du cuivre. Donc ça, c'est encore une preuve, un argument, disons, supplémentaire qui vient s'ajouter à ce que j'ai déjà dit. Hein, puisque cette boule apparaît également dans le nom du minerai nubien, ce fameux ocre jaune de Nubie. Ok ? Mais c'est un déterminatif générique pour signifier les minerais en égyptien pharaonique. Donc, ça montre bien l'association immédiate que les ancêtres faisaient entre le Nubien et un minerai. Et en l'occurrence, bien sûr, il s'agit du cuivre. Le nom des anciens égyptiens aussi est parfois accompagné de ce symbole-ci. Mais je ne traiterai pas aujourd'hui de ce symbole parce que ce n'est pas le sujet. Mais sachez que c'est un travail qui a déjà été fait aussi. Parce que les anciens égyptiens, eux aussi, étaient associés à un minerai en particulier. D'où parfois on va écrire parfois la graphie translittérée Rémétou avec ce déterminatif, parfois, d'accord ? Parce que pour signifier que c'est un métal en particulier, bon, ou en tout cas un minerai, je vais dire ça comme ça, c'est plus clair. Donc, est-ce que les choses sont claires jusqu'ici ? Prière, je valide simplement pour qu'on puisse avancer. Hein. Ok, donc ça paraît clair. Donc, on peut partir sur cette première idée que les Nubiens sont des pionniers. Hein? Objectivement parlant, il n'y a pas de discussion possible d'après la formule, le discours enregistré par nos ancêtres les plus lointains. C'est ce qu'ils disent, c'est clair. Bon, maintenant, on poursuit. On arrive ici en contexte. Là, c'est pour vérifier ce que je dis. Parce que vous savez, lorsque vous conduisez un exercice analytique, évidemment, ce n'est pas le lieu de faire des affirmations gratuites. Parce que vous avez toujours dans les corpus égyptiens et apparentés, disons, le moyen de vérifier ce que vous dites. C'est clair et c'est net, puisque ce sont des graphies. Ça ne change pas avec le temps. Ce sont des corpus qui sont stables depuis au moins 3000 ans. Donc, on va toujours retrouver une façon de vérifier ce qu'on est en train de dire. Ici, vous avez un extrait de ce qu'on appelle le proto-cananéen. Ces signes, ce sont les signes qui vont donner l'alphabet que vous utilisez aujourd'hui.
mais qui correspondent à des signes hiéroglyphiques. Hein, vous devez le savoir. Qu'est-ce qu'on appelle le proto-cananéen? C'est le premier alphabet, en fait, qui va apparaître en Égypte, évidemment, et puis plus tardivement, disons, Moyen-Orient, au Proche-Orient, disons. Okay? C'est cet alphabet qui va donner l'arabe, qui va donner l'hébreu, je parle d'alphabet, hein, et même l'alphabet grec est inspiré de cet alphabet-ci. D'accord? Il est appelé le proto-cananéen. C'est le nom qu'on lui donne dans le registre des sciences humaines. Bon. Pourquoi je vous présente ce tableau? Déjà pour signifier, peut-être que certains ne le savent pas, que l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui lorsque nous écrivons en français, en anglais, en allemand et je ne sais quelle autre langue, procède des caractères sacrés égyptiens, c'est-à-dire des hiéroglyphes. Ça, c'est la première chose. Peut-être c'est une information, donc j'insiste, je le dis quand même. Ensuite, je dis ceci. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est que le proto-cananéen affecte une lettre à ce fameux arc archaïque. D'accord? Je vais encore mieux le distinguer ici. Hein, je l'ai encerclé ici en rouge pour que chacun puisse le voir. C'est-à-dire que, je vais être large, parce que je sais que c'est sorti d'Égypte, mais je vais être large pour bien signifier la chose. Les Cananéens, lorsqu'ils ont utilisé cet alphabet, ont associé l'arc nubien à une lettre qui s'appelle Shin, qui désigne la dent. C'est le nom de la dent dans les langues sémitiques. Donc, je reprends. OK? Suivez bien ce que je dis. Les Cananéens, lorsqu'ils vont utiliser cet alphabet, qui est le premier alphabet hein, qui précède tous les autres dans cette région, ils vont associer une lettre de leur alphabet au signe qui représente l'arc archaïque égyptien et qui est le thème, vous l'aurez compris, de la Nubie. Mais, en contexte, la lettre Chine auquel est associé cet arc désigne la dent. C'est le nom de la dent. Chine, c'est la dent dans les langues sémitiques. Ce qui veut dire quoi? Parce que, évidemment, les Cananéens n'ont pas inventé ceci. Cette relation n'est pas le hasard. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils ne se sont pas dit, ah tiens, voilà, on va faire ça comme ça, un peu tiré comme ça au hasard. Non. Cette relation-ci repose sur une objectivité, quelque chose qui doit être vérifié avec le sens de cet arc dans le contexte égyptien même. Parce que ce sont les Égyptiens qui ont énoncé cet alphabet, vous devez le savoir. Hein? Évidemment, les Cananéens, c'était des Éthiopiens. Je pense que vous le savez. Bon. Donc, si je reprends ma note, je dis que, en contexte, dans l'alphabet proto-cananéen, on trouve l'arc archaïque égyptien en association avec une lettre alphabétique qui s'appelle Chine. Chine, c'est le nom de la dent. Ça veut dire qu'en clair, d'une manière ou d'une autre, cet arc a une relation avec la dent. Ça, c'est sûr. Parce que si les Cananéens font cette relation, c'est parce que c'était quelque chose d'évident pour les anciens Égyptiens et pour les peuples qu'ils ont en fait instruits. Parce que, évidemment, les Égyptiens ils ont subjugué le Proche-Orient pendant plusieurs siècles. Ils ont enseigné les langues africaines et tout dans ces régions. Donc, évidemment, si les Cananéens enregistrent cette relation, c'est parce que c'était pertinent même pour les anciens Égyptiens qui, eux, étaient évidemment les maîtres des caractères sacrés. Voilà. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Cette relation que je suis en train d'introduire. Est-ce que vous comprenez mon propos là-dessus, s'il vous plaît? OK, parfait. Stéphane dit que c'est clair. Voilà, je pense que s'il le dit, je peux considérer que ça l'est pour tout le monde. OK, bon. Donc, c'est cela. Alors, pourquoi je fais cet exercice? Pourquoi? C'est pour moi, c'est une manière de vérifier si j'ai raison ou pas. Parce que ce que j'ai dit jusqu'ici, vous avez compris d'après ce que j'ai comme retour. C'est-à-dire, vous me dites que vous comprenez ce que je dis. OK, c'est parfait. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Je dois quand même vous prouver que j'ai raison. C'est-à-dire que je dois apporter la preuve de ce que j'ai dit. Et cette preuve, je l'apporte maintenant
Avec un élément qui est fondamental, qui consiste à trouver maintenant l'arc en contexte avec une lettre alphabétique. Cette lettre désigne la dent. Chine, ce sont les dents. Bon, OK. Si cette relation est pertinente dans le contexte cananéen, elle est tout autant dans le contexte égyptien. C'est ce que j'ai dit. Cela suppose donc d'aller chercher en contexte le nom que porte la dent pour les anciens Égyptiens. Comment ils appellent la dent? Ici, en haut, vous avez le nom de la dent. En bas, vous avez le nom du Nubien. L'autre variante pour désigner le Nubien. Je vous ai dit en introduction qu'il y avait deux graphies pour signifier le Nubien. La première, c'est avec Taseti, on l'a vu en convention. La seconde, c'est Nehezi, qui est translittéré de cette façon. Parfois, on dit Ta-Nehezi, que les égyptologues vont donc traduire par le pays des nègres. C'est comme ça qu'ils traduisent. C'est-à-dire que. Enfin, bref. C'est comme ça qu'ils traduisent ceci. Hein, d'accord? Je crois qu'il y a une évolution quand même plutôt récente sur ces questions. Mais enfin, si vous lisez les ouvrages, vous verrez ça. Vous ne serez pas surpris de voir ça. Parce que au moins, je vous l'ai dit. D'accord? Donc, j'attire votre attention sur un élément fondamental. C'est d'abord les signes. Si vous observez le nom de la dent, sans même vous poser des questions sur la translittération ni le sens, seulement observez, regardez ce que vous avez sous les yeux, vous verrez une affinité remarquable entre le nom de la dent et le nom du Nubien. Est-ce que vous voyez cela? Comme moi, je le vois. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire là? OK. Parfait. Ce qu'on observe ici, ce ne sont pas tout à fait des homographes, mais ce sont des quasi-homographes. Parce que vous verrez que dans la manière de dire, en fait, ce sera le même mot. C'est pour ça que je dis souvent que dans le contexte de la lecture analytique, nous appelons homographes aussi des graphies qui, au compte, partagent un plus grand nombre de signes. Parce que vous verrez que la seule différence qui est ici pour ce qui concerne le nom de la dent introduite par l'ophidien, par exemple, c'est-à-dire le serpent, n'est pas de nature à modifier la lecture. Ça ne modifie pas la lecture, ça c'est sûr, parce que ce n'est qu'une lettre, quant au fond. Même si du point de vue analytique, c'est chargé d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Quand on voit un serpent, ce n'est pas vain. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que c'est une lettre alphabétique. Mais du point de vue de la phonétique, ce n'est pas de nature à changer la manière de lire. Ça, c'est sûr et certain. OK? Donc, en haut, vous avez le nom de la dent. Sachez que le déterminatif de la dent ici, c'est une défense d'éléphant. Peut-être que. Il y en a peut-être qui n'ont pas reconnu la dent, là. Je vous dis, c'est la défense de l'éléphant, parce qu'en égyptien pharaonique, pour signifier la dent, on utilise comme déterminatif l'ivoire, le thème de l'ivoire. D'accord? Donc, ici, en l'occurrence, la défense de l'éléphant. Voilà pourquoi vous avez donc ce signe. Je l'ai dit peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers des hiéroglyphes. Mais, vous avez donc en haut le nom de la dent. En bas, deux variantes graphiques pour désigner le Nubien dans une autre manière de le dire, c'est-à-dire translittération Nehezi. OK? Quand la dent est translittérée, Nédat, quelque chose comme ça. On verra exactement de quoi il s'agit. Pour l'instant, prenez-le comme ça parce que ce sont des conventions égyptologiques. Et j'attirais votre attention sur le fait que même sans avoir à lire phonétiquement, ne serait-ce que du point de vue de ce que je suis en train de voir, de ce que j'ai sous les yeux, j'observe qu'il y a des signes qui se répètent de part et d'autre dans le nom du Nubien et dans le nom de la dent. Ce qui est déjà une certaine indication sur le fait que l'arc qui paraît dans l'autre graphie pour désigner le Nubien, est en association avec la dent dans le contexte du proto-cananéen. J'espère que vous faites ce lien parce que c'est l'intérêt, en fait, de cet exercice, c'est de pouvoir faire de ces liens pour comprendre le cheminement, en fait. D'accord? Donc, ici, nous allons donc solutionner le nom de la dent pour comprendre. Nous avons la chance que le nom de la dent en égyptien pharaonique est enregistré en copte. J'ai rappelé que le copte est un pas sûr. Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Donc, quand un mot existe en copte, c'est-à-dire que les Égyptiens le connaissaient, ils ne peuvent pas l'ignorer. Ce d'autant plus que la valeur fournie par le copte, c'est une translittération, respecte la translittération. En copte, le nom de la dent, c'est Nadjé. Nadjé, la dent. D'accord? Mais vous observez que c'est le nom du cuivre qui est translittéré Nési. En Amérique, par exemple, on dit Nas. Hein, c'est le S qui devient un J. Parce que quand le copte dit Nadjé, l'Amérique dit Nas pour dire le cuivre. J'espère que vous le voyez. En Swahili, on va dire Nahasi pour dire le cuivre. En Ge'ez, c'est Nahas, Nahas, Nehas pour dire le cuivre. En Tinen, Nehas, c'est les jumeaux. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Parce que vous devez comprendre qu'il y a un lien intime. Mais pour l'instant, je ne développe pas là-dessus. En Tigrinya, on dit Nahasi pour dire le cuivre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous voyez comment dire, l'effectivité de ce raisonnement ou vous ne le voyez pas?
Laurent, c'est toujours premier à dire c'est clair. C'est bien, Laurent. C'est encourageant. Et les autres, alors? Vous êtes assez nombreux quand même, malgré tout. Donc, j'espère que... Alors, J-Science dit que c'est complexe. Oh, est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est complexe? Ouais, si tu l'as dit, sans doute. Alors, je vais juste reprendre. OK? Je dis que... Je vais reprendre ici. Je dis ceci. Le proto-cananéen, qui est le premier alphabet attesté au Proche-Orient, fait état de certaines lettres qui correspondent à des signes hiéroglyphiques. Dans cette correspondance, nous avons une lettre qui est appelée Shin en proto-cananéen, qui est le nom de la dent, qui correspond à l'arc archaïque qui permet d'écrire le nom du Nubien. Ça, c'est un point. Pour comprendre cette relation, vous devez savoir comment s'appelle la dent. C'est son nom qui va vous donner la clé de compréhension. Ce n'est pas à vous casser la tête à agiter des idées sans fondement. C'est le nom, c'est tout. Donc, son nom va vous introduire à la science qui permet cette association entre l'arc nubien et la dent. Voici le nom de la dent en haut. D'accord? On observe déjà, ne serait-ce qu'à l'œil, que le nom de la dent observe une affinité remarquable avec le nom du Nubien en bas. D'accord? Au niveau des signes. Ça veut dire qu'au niveau du prononcé, ce sont des mots qui se ressemblent. C'est ce que ça veut dire, parce que c'est une langue parlée. Donc, ce sont des mots qui se ressemblent. OK? Maintenant, nous avons la chance que le nom de la dent est connu en copte. On dit Nadjé pour dire la dent en copte. Cette graphie que vous avez ici à gauche, pour signifier la dent, connaît une solution copte qui est Nadjé. Mais on observe que ce mot ressemble, je vais dire ça comme ça, parce que ce n'est pas tout à fait un homophone, et c'est la raison pour laquelle vous avez donc ces nuances. C'est la raison pour laquelle vous avez ces nuances au niveau des graphies, parce que vous devez savoir que cet ophidien assume la lettre J. Hein? C'est une sorte de J, en fait. Okay? Ou un D. Parfois, c'est un D tout à fait. Parfois, c'est un J. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez ces nuances. Mais, au niveau du prononcé, le signe qui est dans le Nubien, le nom du Nubien qui représente une étoffe pliée, c'est la lettre S. Voilà pourquoi d'un côté, je vais dire Nadjé, de l'autre Nas. Mais vous savez que, du point de vue de la phonétique, le J et le S s'interchangent parce que le J peut se réaliser en S. Mais ça, c'est les parties que je ne veux pas trop aborder parce que je sais qu'à ce niveau-là, beaucoup ont des difficultés. Donc, je dis simplement les choses enfin, de cette façon pour que, au moins, vous n'ayez pas trop de difficultés, parce que plus j'en ajoute, je sais, plus ça va devenir un peu plus compliqué, parce que je sollicite votre concentration. Donc, je ne vais pas compliquer pour rien. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je viens de dire est clair par rapport à ces deux graphies? OK. Alors, je dis que c'est clair, parfait. Donc, évidemment, l'amharique, qui est une langue d'Éthiopie, a des variantes. En swahili, c'est Nahasi, Gez, Nahas, etc. Voilà pourquoi on transitère Nehesi. Les égyptologues transitèrent Nehesi. Et ils traduisent dans le texte par les nègres. Non, c'est le cuivre. C'est ça, c'est clair. C'est le cuivre. Donc, on revient à la première idée, Sita. De toute façon, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit la première variante graphique ou la seconde, nous sommes toujours dans la description du cuivre, en association bien sûr avec Osiris. J'ai dit en introduction que c'est le nom d'Osiris. Ne l'oubliez pas, parce que quand je dis Sira, c'est le nom d'Osiris. Si, c'est s'asseoir. Ira, c'est voir, montrer, faire voir, amalinké. Donc, c'est Sira, c'est le cuivre. Voilà pourquoi la chose revient de cette façon. Et vous devez savoir que quand je dis dans un tunen, Nehas, qui est une langue du Cameroun, hein, tunen, c'est au Cameroun, Nehas, c'est les jumeaux, parce que le cuivre, c'est le métal qui est consacré à la quadrigéméléité, je l'ai dit, aux jumeaux. Vous allez comprendre la conséquence de cela ensuite. Mais pour l'instant, si c'est clair, on avance. Maintenant, l'objectif final du nom du Nubien, je vais quand même vous le donner, parce que on dit le cuivre, parce que le cuivre soutient des concepts. OK? Première chose, le nom du cuivre, évidemment, je l'ai dit, en amharique, c'est Nas, Tunen, Nehas, c'est les jumeaux, en swahili, c'est Nahasi, c'est le cuivre. Sachez que le nom du cuivre, c'est le nom
que porte le chiffre 4 dans un nombre conséquent de langues africaines. Voilà pourquoi le cuivre est associé à la quadrigéméléité, c'est-à-dire 4 jumeaux. Si vous voulez, 4 couples de jumeaux, on y viendra plus tard. 4. En Moré, par exemple, au Burkina Faso, Naasé, c'est 4. En Niten, Noas, c'est 4. Gouréme ou Guéréme, c'est Naasé, c'est 4. En Koussal, Anassi, Wama, Naasi. Ce ne sont que quelques exemples, vraiment. Il y a des variantes, même on va dire Naï en Chiluba, par exemple, en Peul aussi. Donc c'est... Mais je me limite vraiment à ces quelques exemples parce que, évidemment, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Je pense que c'est clair. Bon, à la suite de cela, sachez que c'est parce que c'est le chiffre 4 que ça devient le nom que porte l'être humain dans les langues sémitiques. Parce que l'être humain est quadrigémellaire du fait des 4 éléments fondamentaux, donc réputé être complet. Voilà pourquoi en araméen, le nom du Nubien qui est translittéré nègre, soi-disant, désigne la personne, l'être humain tout court, sans distinction de phénotype. En araméen, on dit Anas pour dire la personne. En araméen judaïque, c'est Anash, Inis ou Enash. Enasha pour dire être humain. En arabe, c'est Nas, hein, vous le savez, c'est homme, être humain. En tigrinya ou en tigré, c'est Enas, langue d'Éthiopie, Enas pour signifier l'homme. Donc, quand vous voyez dans le texte Nehesi, sachez que ça signifie simplement l'être humain, la personne. L'être humain, c'est tout. D'accord? Sauf que, naturellement, cette finalité est soutenue parce que l'être humain ne se conçoit que d'après la notion de complétude. C'est comme ça que les peuples éthiopiens, les peuples kémites, ont conçu la notion d'être humain. Être complet, fini, achevé, des 4 éléments fondamentaux qui sont soutenus par l'expression du chiffre 4, elle-même représentée par le cuivre, qui est le métal consacré à la quadrigéméléité. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? OK. C'est très important, ces éléments que je tisse ici, même si vous verrez, la chose sera certainement beaucoup plus claire ensuite, mais ça, c'est la base. Vous devez savoir que les hiéroglyphes, évidemment, ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « né ici » et puis croire qu'on a dit le Nubien. Ça veut dire quoi, le Nubien? Fondamentalement, ça ne veut rien dire. Si vous voulez comprendre, eh bien, vous devez aller dans le détail. Et c'est ce que je tente comme ça de faire, même si je le survole un peu. En tous les cas, si vous avez compris, c'est clair. Bon, maintenant, quand je dis en iten, noas, pour dire 4, en bassa, noas signifie semer à la volée. En chiluba, on va dire miasa, répandre à la main. En ewondo, mias, semer à la volée. En bassa, maha, c'est les jumeaux. Gez, maha, ça, couper, diviser. Lokele, bassa, c'est les jumeaux. Pourquoi j'ai introduit cette note? C'est simplement pour vous dire que ça ne s'arrête pas ici. C'est le nom d'Osiris, effectivement, parce que ce sont des mots, la racine ici sollicite le fait d'être coupé, démembré. Parce que les Nubiens, là, les Éthiopiens que vous voyez là, sont perçus comme les morceaux du corps d'Osiris, les disciples d'Osiris. Vous devez vraiment le savoir. Dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'ils étaient perçus. Partout où ils se rendaient, ils étaient généralement sollicités pour faire des grands rituels. Parce que, d'ailleurs, les Grecs le disent clairement, c'est eux qui ont enseigné les rituels et les processions, ce genre de choses aux Grecs. D'accord? Il y a plusieurs auteurs grecs qui en parlent. Donc, c'est quand même important qu'au-delà de cette description, même si je ne vais pas dans le détail, sachez que c'est beaucoup plus fort que ça. Parce que quand on dit « semer à la volée », c'est ce que Seth fait. Il est réparti aux 4 coins, aux 4 points cardinaux, c'est-à-dire les 4. C'est pour ça que le chiffre 4 est ici, ce sont les 4 points cardinaux. C'est-à-dire que ces populations ont peuplé le monde dans les 4 directions. D'accord? Vous devez le savoir, c'est important quand même de le dire, parce que quand on dit que l'humanité est née en Afrique, ce n'est pas simplement le fait de le dire. Vous devez aussi savoir qu'il y a en arrière-fond toute une manière de concevoir le fait qu'ils aient précisément migré et ils ont fondé des colonies partout, sur tous les continents. Okay? Au fur et à mesure, évidemment, que l'avancée se faisait, ils s'y sont installés. Voilà pourquoi les peuples noirs, on les trouve partout. Et pas seulement du fait des déportations liées à l'histoire récente. Non, ils étaient déjà là en Amérique bien avant les histoires de Christophe Colomb et autres. Ça, c'est clair. Évidemment. Enfin bref, je pense que ce n'est même pas nécessaire d'insister sur ce genre de détails. Parce qu'il y a des auteurs, je pense par exemple à Ivan van Tertima qui a écrit un ouvrage remarquable sur la question de la présence des peuples éthiopiens en Amérique avant Christophe Colomb. Ivan van Tertima, c'est son nom. D'accord, vous pouvez retrouver l'ouvrage. D'accord? Je crois que le titre, c'est « Ils y étaient avant Colomb », d'ailleurs, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, j'annonce seulement, je veux dire, les choses de cette façon parce que je veux que vous ayez la perspective
de l'étendue hein, des concepts. Parce que quand on parle d'Osiris, automatiquement, la notion de démembrement arrive. Je l'ai expliqué lorsque j'ai parlé il y a quelques jours de la crucifixion d'Osiris. Ce sont ces mots qui reviennent ici. La racine est toujours la même, hein. Sachez-le. Quand on dit se met à laveler, c'est l'action que fait Seth qui éparpille les morceaux du corps d'Osiris aux quatre points cardinaux. Ces quatre points cardinaux sont déjà incarnés par la quadrigéméléité qui elle-même répond à beaucoup d'autres choses en arrière. Mais enfin, si ceci est clair, eh bien, je vais pouvoir avancer. Merci simplement de me signifier que vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'ici. Merci. Ok, parfait. Si c'est clair, limpide, comme je le lis, compris. Exactement. Naturellement, les exemples que vous donnez sont parfaitement pertinents. Le douala, le poulard, tabiye, c'est ça? Tabiye, oui. C'est tout à fait pertinent parce qu'on parle la même langue, je l'ai souvent rappelé. Et au-delà de la langue, ce qui est bien important, c'est ce qu'on appelle la pensée symbolique. C'est ce à quoi moi je souhaite vraiment que vous puissiez parvenir. Parce que c'est avec ça qu'on fait la civilisation. La langue, c'est bien, ce n'est qu'un support. Mais la langue a une réalité, c'est-à-dire une manière de voir, exprime une manière de voir le monde. Et celle-ci, elle est la même pour tous les peuples kémites. C'est à ce niveau-là qu'on doit se situer si on parle d'unité culturelle. Hein, c'est très important. Okay? Donc maintenant, je vais parler un peu plus spécifiquement finalement de cette quadrigéméléité que je ne fais qu'évoquer comme ça en introduction, car liée bien sûr au cuivre, on l'a vu, liée bien sûr au corps d'Osiris, puisque Osiris et le cuivre, c'est la même chose. Et enfin, bien sûr, liée à l'image des Nubiens dont Osiris émane, puisqu'on dit que c'est Osiris, l'Éthiopien, qui a fondé la civilisation égyptienne. Sachant que le thème de cette rencontre, bien sûr, c'est encore les fondements spirituels de la civilisation égyptienne. Voilà. Et donc, nous parlons effectivement de spiritualité, vous l'avez déjà compris, mais dans un cadre qui inclut évidemment aussi des éléments disons, de nature historique et peut-être géopolitique, en tous les cas. Vous voyez que c'est un peu plus. Voilà, ça sollicite plusieurs aspects finalement de ce qu'on peut considérer comme des sciences humaines. Voilà. Donc, puisque je ne fais que vous parler depuis tout à l'heure de quadrigéméléité, et sachez que les anciens Égyptiens avaient une façon d'exprimer le chiffre 4. J'ai vu ici arriver quelques propositions, notamment en douala, en kabiye, en poular, et je vous remercie d'ailleurs pour cela. Ce qui montre que vous avez compris qu'il faut peut-être insister davantage sur le chiffre 4. Parce que si le chiffre 4 détermine l'Éthiopien, c'est-à-dire vous et moi, parce que nous sommes des Éthiopiens, les Kémites, ce sont des Éthiopiens. Si nous sommes liés au cuivre, mais vous devez comprendre fondamentalement ce que ça veut dire. Et on vous dit que le cuivre, en fait, ce n'est qu'un symbole, quant au fond, même s'il a des qualités objectives en tant que métal, évidemment, c'est le symbole de la quadrigéméléité, c'est-à-dire le chiffre 4. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que fondamentalement, vous devez comprendre qu'est-ce que les anciens Égyptiens ont mis derrière le chiffre 4. Je pense que c'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est un questionnement qui vous paraît sensé? Voilà. Ok. Donc, si vous avez suivi le raisonnement, il est simple. Puisque nous insistons depuis tout à l'heure, nous avons introduit le sujet par le cuivre, qui est le métal consacré à Osiris. Nous avons compris que le cuivre est lié à la quadrigéméléité. Il faut maintenant comprendre ce que les anciens Égyptiens mettent derrière le chiffre 4. C'est fondamental pour avoir les idées justes sur ces questions. C'est ce que nous allons faire. Et je vais aller directement aux solutions parce que certaines langues subsahariennes précisément donnent le thème.
Ce qui n'est pas le cas pour les langues sémitiques, je dois quand même le dire, parce que les langues sémitiques ne disent pas quatre de cette façon, ce qui prouve encore une fois qu'il s'agit bien évidemment d'une civilisation négro-africaine. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire de le dire. Bon, mais quand même, il faut quand même le dire, parce que souvent, ça n'a pas été évident, dans les premiers temps tout au moins. Alors, cette graphique correspond bien évidemment. Le copte a déjà une solution qui nous oriente. Hein. En copte, on dit feutu ou fotu. Fotu, pour dire quatre. Qui correspond à laoussa foudou. En laoussa, c'est foudou, pour dire quatre. En guizim, c'est foudou, pour dire quatre. En sokoro, c'est fada, pour dire quatre. Bon. Ce sont des valeurs effectives pour solutionner cette graphie. Je passe le détail. Si vous avez la translittération, vous voyez que ce sont les valeurs assumées. Et le copte, de toute façon, est un pas sûr, je l'ai dit déjà. Donc, si le copte introduit la chose de cette façon, c'est-à-dire que c'est pertinent. Je rappelle que dans les langues soudanaises, notamment Bambara, Malinke, Fada, Fara signifie découper, etc. Hein, couper, diviser. Donc, ce sont des aspects très importants, mais puisque j'ai déjà parlé de ces aspects en relation avec Osiris, je ne veux pas y revenir nécessairement. Parce que vous devez savoir que c'est toujours comme une boucle. Vous ne pouvez jamais vous tromper si vous sollicitez les mots. C'est-à-dire, vous allez voir la richesse vraiment de la pensée symbolique des peuples éthiopiens. Quand on parle, là, on ne sait pas vraiment ce qu'on dit aujourd'hui. On ne sait pas. On parle mécaniquement parce que nous avons appris, comme nos parents ont appris, voilà. Comme, mais on ne sait pas ce qu'on dit. Parce que si on comprenait la philosophie de ce qu'on dit, ça changerait les choses, mais fondamentalement. Parce que toute la civilisation est dans les langues africaines. Tout ce qu'on dit a un sens profond, évidemment. Enfin, donc, en copte, foutu, 4. Ngizim, foudou, c'est 4. Naoussa, foudou, c'est 4. Sokoro, fada, c'est 4. Ces 4 exemples suffisent. Il y en a beaucoup d'autres. Je dois quand même vous le dire, parce que, évidemment, dans ce contexte-ci, les séries, il y en a beaucoup. Mais je me limite à ceci, car c'est relativement clair, j'imagine. Bon, une fois que j'ai dit ça, alors, cette graphie signifie 4, les 4 ou le quartet. Donc, vous devez déjà savoir que nous avons en perspective ici, évidemment, les 4 éléments fondamentaux, parce que c'est tellement important, ne serait-ce que dans la conception de l'être humain, la conception de l'univers, que déjà, quand on dit 4, une civilisation comme la civilisation égyptienne ne peut pas s'imaginer être en train de compter les billes. Jamais. C'est d'abord un principe philosophique majeur, parce que les 4 éléments fondamentaux, toute la civilisation kémite est basée sur la compréhension et la maîtrise de ces 4 éléments fondamentaux. Toute la ritualité, la spiritualité, tout est basé là-dessus. Donc, si vous avez un thème comme celui-ci, n'imaginez jamais qu'il s'agit simplement d'aller compter les billes et puis s'imaginer qu'on a fait 4. Non. Non. Vous devez toujours essayer de comprendre. Voilà. Quelle est la philosophie derrière? Parce que ce sont des philosophes, les scribes, ce sont des prophètes. Quand ils font quelque chose, c'est sacré parce que derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je le dis comme ça, quand même, pour attirer votre attention sur des détails parfois qui ne nous paraissent pas a priori importants lorsqu'on questionne les hiéroglyphes. OK? Donc, voici pour les solutions. Ça, c'est clair. Maintenant, j'élargis le champ de compréhension. Parce que là, maintenant, vous allez comprendre de quoi il parle lorsqu'il parle du chiffre 4. Quand en Naoussa, je dis Foudou, 4. Quand en Copte, je dis Foutou, 4. Quand en Gizim, je dis Foudou, 4. Quand en Sokoro, je dis Fada, 4. Je dis donc, ensuite, en Poulard, exactement le même mot, Foutou, pour signifier cette fois, égaler. Être égal. Principe de gémelléité. Fotou en poulard. Être d'accord. S'unir. D'accord? Les 4 éléments fondamentaux, qui sont 4 couples de jumeaux de sexe opposé, qui forment la personne, qui vont donc inspirer la notion d'alliance, vous le verrez. En soninké, on dit fouti, épouser, marier, se marier, le mariage. Évidemment, vous devez savoir que dans cette conception, il y a aussi la question des alliages, de métaux, c'est-à-dire l'alchimie. Mais c'est des aspects que je n'aborde pas ici et maintenant. Mais je dois quand même vous le dire, d'accord? En malinké, foudou ou foutou, c'est épouser, se marier, le mariage. En bambara, c'est fourou, hein, le D devient un R, le mariage. En vaï, c'est fou pour dire épouser, se marier. Mutation phonétique, le vaï, c'est aussi une langue mandingue, d'accord? Donc, vous voyez qu'en élargissant le champ, beaucoup les informations aussi arrivent. Ce qui permet réellement de comprendre premièrement ce que c'est que le mariage. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est quand même intéressant peut-être d'avoir vos réponses. En quoi le chiffre 4 instruit la notion de mariage? Pourquoi, quand on dit 4 et mariage, c'est la même chose dans les conceptions subsahariennes? Ça, c'est fondamental, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous, effectivement, qui sont mariés, comprendront sans doute mieux peut-être
Et n'allez pas me dire que c'est parce qu'il faut avoir quatre femmes, parce que c'est comme ça que l'islam a compris le fait. Parce qu'évidemment, ils sont passés par là. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'un homme doit avoir un maximum de quatre femmes. Parce que il y a des notions derrière, évidemment, qui sont spirituelles. Mais j'espère que ce n'est pas la réponse que je vais avoir. Donc, je vous écoute, si c'est possible, d'avoir quelques réponses. Alors, nous avons plusieurs propositions intéressantes. Elles sont toutes, disons, justes, hein, bien honnêtement, parce que tout part évidemment de la conception des quatre éléments fondamentaux, de l'idée de complétude, parce que tout part de la vision cosmogonique que nous avons en tant que peuple subsaharien, de l'être humain qui est naturellement, lorsqu'il naît seul, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas jumeau, il est réputé incomplet. Voilà pourquoi il passe sa vie à chercher son âme sœur. Pour se compléter. C'est une. Il faut savoir que ce qu'on appelle le sentiment amoureux, c'est un appel quasiment divin, ou je ne sais pas, même chimique, je ne sais pas comment le dire. C'est une contrainte objective que nous avons de rechercher notre moitié qui est perdue. C'est une quête perpétuelle. C'est ça qu'on appelle l'amour quant au fond. D'accord? Bon. Et réaliser donc cette union permet cette complétude-là. Parce que vous allez voir que quand on se marie, on forme quatre, évidemment, les quatre éléments fondamentaux. Mais c'est un peu plus complexe. Je vais tenter de vous éclairer sur certains points fondamentaux, mais sans insister, parce que ce n'est pas vraiment le but. Mais c'est ça, vous devez comprendre. Donc, je vois ici quelques réponses, parce que le mariage est associé à la notion de complétude. Hein? La notion de complétude, le principe de gémellité, les quatre éléments fondamentaux, la quadrigémellité est fondamentale pour comprendre précisément ce qu'on appelle le mariage. Hein, ce sont les ancêtres en fait qui sont en situation, quand je dis les ancêtres, c'est-à-dire les quatre éléments fondamentaux qui sont personnifiés évidemment par les ancêtres, qui sont en situation dans la question des mariages. Voilà pourquoi dans les sociétés soudanaises, quand on est dans un processus comme le mariage par exemple, on sollicite beaucoup d'éléments notamment qui sont du relief de ce qu'on appelle des clavicules. Bon, mais je ne veux pas aller dans ce détail aujourd'hui, mais vous devez savoir que ce n'est pas simple quoi. Ce n'est pas des choses où on décide et puis c'est comme ça. Non, il y a beaucoup de choses derrière qui sont importantes. Ok, bon, voilà. Donc, évidemment, vous avez compris que c'est la notion d'alliance. J'ai parlé tout à l'heure du chiffre 4 en relation avec les Nubiens. Je suis en train de m'émanciper maintenant de cela parce que ça, c'était la base. Maintenant, on arrive à des choses beaucoup plus concrètes. Vous allez voir comment la civilisation égyptienne est bâtie, comment elle est construite. Parce que, évidemment, l'alliance, le mariage, toutes ces choses rentrent en perspective avec les quatre éléments fondamentaux. Je vais simplement citer ceci, hein, rappeler ceci. C'est une note importante. Je vous prierai d'être attention pour expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est que cette quadrigémellité et pourquoi 4 est égal au mariage. Je vais vous expliquer ça à travers une note de Solange de Ganay qui suffira pour l'explication. La parole mâle et la parole femelle. Alors, vous devez savoir que ce qu'on appelle la parole mâle ou la parole sèche correspond au monde non incarné, c'est-à-dire au domaine de la divinité de Dieu. D'accord? Au monde non manifesté. OK? Et ce qu'on appelle la parole femelle ou la parole humide, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde incarné, manifesté, matérialisé. D'accord? Donc, il y a matérialité et spiritualité. Matérialité et spiritualité. Ce sont deux domaines de souveraineté. L'un appartient à Dieu, pour dire clairement les choses. Et l'autre, c'est le domaine des hommes, des êtres humains. Et entre les deux s'établit une alliance. Voilà pourquoi on parle d'alliance avec Dieu. Bon, c'est comme ça que c'est conçu, vous devez le comprendre. Maintenant, je vais donc lire le texte. La parole mâle et la parole femelle, je viens d'expliquer ce que c'est, ne sont en effet, dans la mentalité bambara, que la somme des 3 fois 4 éléments additionnés selon leur nombre symbolique de mâle ou de femelle. Cette somme est en réalité 42. Pourquoi ?
Parce que le chiffre du féminin ou de la femme, si vous voulez, c'est 4. Le chiffre du masculin ou de l'homme, c'est 3. La parole mâle, plus que mâle, est dominée donc par le chiffre 3, et c'est le domaine de la divinité, c'est-à-dire de Dieu. Et la parole femelle, plus que femelle, est dominée par le chiffre 4, c'est le domaine du monde dans lequel on vit. Ça veut dire que Dieu est perçu comme une entité masculine, mais pas au sens où on entend l'homme tel que vous et moi, en tout cas, parce qu'en réalité, nous sommes déjà dans un mélange, en situation dans ce monde, puisque nous sommes constitués d'une part féminine et d'une part masculine, et que notre chiffre, en fait, c'est 7. Mais, du point de vue de la spiritualité, il y a une nette césure entre le domaine de la spiritualité, qui est réputé masculin, parce que le masculin, c'est le principe actif, d'accord? Et le principe passif, qui est la parole femelle, c'est-à-dire le monde manifesté, qui est effectivement le principe passif. Et c'est exactement la relation d'un homme et d'une femme, au sens objectif du terme. Okay? Même si vous en conviendrez, dans le monde dans lequel on vit, il y a des femmes qui sont plutôt actives et des hommes qui sont plutôt passifs. Je n'irai pas dans les détails, mais ceci peut s'expliquer de plusieurs façons. C'est pour dire donc que quand on est déjà en situation dans le monde, il y a déjà des mélanges qui se sont élaborés. Mais du point de vue de la spiritualité, on distingue nettement le principe actif, c'est le masculin, du principe passif, c'est le féminin. Et les deux forment une alliance. Le produit de cette alliance, c'est le monde organisé, hein, qu'on appelle Horus. Parce que si vous suivez mon raisonnement, le mâle, c'est Osiris, la femelle, c'est Isis. Leur enfant, c'est Horus, qui est le monde organisé, l'univers dans lequel nous cheminons d'une certaine façon. OK? Bon. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit à ce stade, quand même, parce que j'ai pris la peine d'expliquer. Donc, je veux juste m'assurer que, bon, c'est quand même compris, quoi. Ok, parfait. Merci pour la réactivité, merci pour les retours. Je le dis encore une fois, si je vous sollicite à chaque fois, c'est parce que j'aime parler pour être compris. Sinon, vous conviendrez qu'un exercice comme celui-ci peut être très long et très compliqué si on ne comprend pas un traître mot de ce que je dis. Et j'aurais aussi le sentiment, moi, de parler pour rien. Parce qu'en fait, c'est un peu cela. Donc, si vous comprenez, prière simplement de me l'indiquer, ça me permet de valider que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Donc, je reprends la note. La parole mâle et la parole femelle ne sont en effet, dans la mentalité Bambara, que la somme des trois fois quatre éléments additionnés selon le nombre symbolique de mâle ou de femelle. Cette somme est en réalité 42. 3 fois 3, c'est pour l'air. 3 fois 3, c'est le feu. Parce que vous devez savoir que ces principes actifs sont essentiellement dominés par l'air et le feu. Ce sont des principes spirituels, fondamentaux d'ailleurs. Et la parole femelle, c'est-à-dire le monde manifesté, est dominé par l'eau et la terre, qui sont des principes passifs d'une manière générale. Je le dis de toute façon en passant, hein, il y a des nuances, mais on va pas trop aller dans ce genre de choses, c'est pas nécessaire. Bon. Mais comme chaque ensemble de paroles sèches qui appartient à Dieu ou de paroles humides, c'est-à-dire le monde tel qu'il est manifesté, forme une unité en quelque sorte indépendante, 42 est complété par deux unités, ce qui donne 44. C'est ce à quoi moi je voulais déjà arriver. Parce que si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit jusqu'ici, entendez au moins 44. Hein? 44. Ça, c'est très important. Au moins ça. D'accord? La parole sèche, celle qu'a gardée Dieu, qu'on appelle Koni, le démiurge chez les Bambara Malinké, représente la moitié de cette somme. Okay? C'est-à-dire 22. Et la parole humide représente l'autre moitié de la même somme. Chaque moitié, cependant, est complémentaire de l'autre, car chaque élément de la création a son correspondant dans Koni, c'est-à-dire dans Dieu. C'est-à-dire que chaque élément manifesté a un correspondant dans le non manifesté, évidemment. Les deux mondes sont les doubles l'un de l'autre, tant par leur ensemble que par leurs composants. Ça, c'est important aussi. Les deux mondes sont les doubles l'un de l'autre, tant par leur ensemble que par leurs composants. L'expression la plus parfaite de la quadrigéméité est donc le nombre 44, puisqu'il traduit l'essence même des quatre jumeaux. D'accord? La quadrigéméité. Son expression la plus parfaite, c'est 44. Or, qu'est-ce que c'est que 44? C'est 4 plus 4. C'est comme ça qu'on simplifie dans le Soudan. C'est-à-dire 8. Voilà pourquoi il y a 8 ancêtres qui forment 4 couples. OK? Donc, la quadrigéménité s'exprime, je vais dire, pour vous simplifier la vie, de trois façons.
44, 8 et 4. OK? C'est toujours la même idée, les mêmes concepts. Sauf que plus on pousse, plus ça devient plus complexe. D'accord? Vous devez le savoir. Sauf que bon, dans un exercice comme celui-ci, ce n'est pas nécessaire d'être complexe. Ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des choses très importantes, évidemment, qui soutiennent ceci. Par contre, ce que je souhaite que vous reteniez, évidemment, c'est 44. C'est-à-dire 4 plus 4 égale 8. Et puis, c'est 4. OK? Qui est la quadrigéménalité exprimée à travers le chiffre 4, évidemment. Donc, il y a trois façons d'exprimer la quadrigéménalité. 4 en parlant des couples. 8 en parlant des ancêtres et 44 en parlant de la somme des quatre éléments fondamentaux lorsqu'ils sont multipliés par 3 avec leurs chiffres respectifs, etc. Bon, c'est parce qu'il y a la Trinité qui rentre en ligne de compte. Il y a d'autres choses. Mais bon, au moins, si c'est clair, on peut avancer. Donc, ce que vous pouvez retenir ici, je l'ai dit, c'est parce qu'il faut quand même en garder un bout, c'est 44 qui est égal à 4 plus 4 égale à 8. Ça, au moins, je pense que ce n'est pas compliqué. Bon. Maintenant, je rajoute donc un nouvel élément qui permet d'étendre le champ de compréhension. Qui permet d'étendre le champ de compréhension de ce que c'est que ce chiffre 4 et comment il est conçu et à quoi il renvoie finalement. Vous avez donc, en copte, on va dire foutou pour dire 4. En aoussa, foudou, c'est 4. En guizim, c'est foudou. On l'a dit. C'est un mot qui correspond à l'idée d'épouser, du mariage. Et c'est un mot qui correspond aussi au thème du souffle. En Baninke, on dit furu ou fulu, souffle. En Boshi, au Congo, au fulu, c'est le souffle. En Kuranko, furu, c'est le poumon. En Lugbara, on duplique le mot furu furu pour dire le poumon. Bon, ceci est important. Ça me permet de revenir sur une idée que j'ai souvent avancée, même sans insister beaucoup là-dessus souvent. J'ai souvent rappelé que la somme des quatre éléments fondamentaux, c'est ce qu'on appelle l'air en réalité. Parce que quand on classe l'air dans les quatre éléments fondamentaux, ce n'est pas vrai, c'est l'éther. D'accord? Mais comme c'est souvent compliqué d'expliquer aux gens, bon, ils ne comprennent pas tout à fait. Bon, je n'insiste pas beaucoup parce que ce n'est pas nécessaire d'être savant dans ces choses si on n'a pas un intérêt premier. Ce n'est pas nécessaire. On dit l'air et puis ça passe. Mais en réalité, non, l'air, ce n'est pas ça. L'air, c'est la somme des quatre. Ce que nous respirons, d'accord? Ce que nous respirons là, le souffle de vie là. Parce qu'il ne peut pas y avoir la vie sans l'expression des quatre éléments fondamentaux. Ce qu'on appelle la vie, c'est la somme des quatre éléments fondamentaux, hein, mais à l'état spirituel, qui peut être matérialisé ensuite. Mais vous verrez que pour que la vie prospère quelque part, pour que la vie prospère quelque part, il faut nécessairement que ces quatre éléments soient réunis. C'est ça qu'on appelle la vie. Donc, le souffle de vie que nous respirons pour vivre là, c'est leur somme là. Ce sont les quatre éléments fondamentaux, mais en tant que principe spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? OK. Merci, merci à ceux qui réagissent. Parfait. C'est parfait. Excellent. Donc, on est bien d'accord que pour moi, c'est simplement l'occasion de rappeler ce que c'est que le souffle de vie. Quand on parle du souffle de vie, le souffle de vie, c'est la somme des quatre éléments fondamentaux. C'est ça qu'on appelle l'air en français. Donc, l'air n'appartient pas aux quatre éléments fondamentaux, c'est la somme. C'est-à-dire ce que nous respirons, parce que ce que nous respirons, c'est la vie. Hein? Et la vie ne se conçoit qu'à la condition du mariage des quatre éléments fondamentaux, ça c'est clair. Donc c'est évident. Bon, maintenant, donc voilà le rapport d'une manière plus ou moins indirecte avec le poumon, mais ça va être plus clair ensuite. Parce qu'en réalité, c'est ce poumon maintenant que les ancêtres vont mobiliser, hein? Dans un contexte bien particulier. Ici, vous avez le nom que porte le poumon en égyptien pharaonique. Il y a d'autres graphies, mais je présente celle-ci parce que elle introduit un thème qui va nous intéresser. OK? La graphie est transitérée, Sema. Hein? Vous voyez, ça n'a aucun lien apparent avec, je dis bien apparent, avec ce que je viens de dire relativement au mariage. OK? Et toutes ces choses que je viens d'évoquer, le chiffre 4 et tout. Bon. Mais ça, c'est le nom du poumon en égyptien pharaonique. Il y a un signe qui est un signe énigmatique qui passe pour être un poumon surmonté d'un pilier. C'est un signe très important. Vous le verrez, mais pour l'instant, sachez que c'est d'abord le nom du poumon en contexte. Vous avez la codification, la translittération, c'est Sema. Vous avez la traduction, c'est poumon, d'après les dictionnaires. Et bien sûr, vous avez la source qui est le Wörterbuch
Derman et Grapeau. Bon. Sachez que ça, c'est le modèle à partir duquel se déploie tout ce que je viens de dire avant. Parce qu'il y a, ce qu'on appelle le cryptotype culturel qui va apparaître notamment en Bambara à travers les mots comme Furu. Mais pour l'instant, je sais que vous ne voyez pas le lien parce que je ne l'ai pas encore illustré. Mais sachez que si j'ai introduit le poumon par rapport au chiffre 4, qui est dans la même suite de la manière de dire, car c'est le même mot, vous l'avez compris, c'est parce qu'il y a une raison spécifique. OK? Bon. Il se trouve que le nom du poumon en égyptien pharaonique possède des homographes. Et ces homographes, je les présente maintenant ici, à votre droite. OK? Si vous observez les graphies, ce qui change, c'est seulement le déterminatif. D'accord? Donc, d'un côté, j'ai le nom du poumon. De l'autre, c'est transliteré de la même manière, SEMA, mais qui signifie cette fois s'unir, s'associer, s'unir à. Ou, lorsque c'est un substantif, compagnon, allié, familier. D'accord? Donc, ce que ça signifie, même si je n'ai pas encore clarifié le fait, c'est que quand en Bambara ou en Malinké, je dis le souffle, en relation avec le poumon, évidemment, le lien est immédiat. Je pense que vous l'aurez compris, puisqu'on ne peut pas représenter le souffle. On va donc représenter le poumon, qui est l'organe qui assume cette idée. Eh bien, et le mot du mariage, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on trouve en Égypte, c'est-à-dire dans le contexte égyptien. C'est-à-dire qu'il y a ici ce qu'on appelle un cryptotype culturel, c'est-à-dire une pensée symbolique qui s'exprime, où les ancêtres font systématiquement une relation entre eux, cet organe qu'on appelle le poumon, et l'idée de s'unir. OK? L'idée de s'unir. Et sachez-le, j'ai dit, nous parlons des fondements spirituels de la civilisation. Évidemment, si on parle de souffle, on est dans l'esprit. Spirit, c'est précisément de cela que nous parlons. D'accord? Donc, je rappelle, vous avez donc en égyptien pharaonique une relation étonnante que le scribe établit entre le nom du poumon et le verbe s'unir ou le mot compagnon, allié, c'est-à-dire celui avec lequel on a une alliance. Évidemment. OK? Bon. Ça suppose donc, et je le redis encore une fois, qu'il y a ici ce qu'on appelle un cryptotype culturel qui s'exprime, c'est-à-dire une pensée symbolique qui est très forte, assumée déjà par les langues soudanaises. Parce que dans les langues soudanaises, pour dire le souffle et pour dire le mariage, c'est le même mot. C'est ce qu'on voit ici aussi apparaître. Bon. Le mot maintenant que les égyptologues traduisent par poumon, ce n'est pas directement le poumon, puisque c'est toujours dans le relief du souffle. En Bambara, par exemple, cette graphie qui est translittérée, c'est-à-dire conventionnellement, hein, SEMA, sollicite notamment le mot qui est dupliqué, SUMA SUMA, SUME SUME, ou SUMU SUMU, qui signifie flairer, avec le nez, d'accord? C'est-à-dire respirer, quand on flaire, on respire. Chez les Dogons, c'est SAMA, qui est le mot même, tel qu'il est translittéré, mais pour signifier renifler, flairer. On dira en contexte, ici je donne un exemple dans une phrase pour que chacun comprenne comment la chose est dite. Kide jinyu samane, un animal qui a du flair. D'accord? Donc ce n'est pas directement le nom du poumon, c'est un verbe d'action qui implique le poumon. C'est souvent le cas avec les hiéroglyphes, vous devez le savoir. Il y a parfois des déplacements de sens, mais il s'agit simplement de comprendre que l'organe, c'est un classificateur d'une certaine façon. Tout ce qui concerne donc le souffle, le nez, va rentrer dans le poumon, tout, absolument tout. OK? Donc voilà pourquoi le verbe se décline de cette façon. Est-ce que jusqu'ici, vous arrivez à suivre? Est-ce que c'est clair? OK, donc ça semble parfaitement clair, merci. Donc j'ai dit qu'en contexte, le mot qui solutionne cette graphie, ce n'est pas directement le nom du poumon, quoi que ce soit une action qui implique le poumon, puisque le verbe flairer, renifler, est de ce registre bien évidemment. Donc on comprend que nous sommes dans la même description en fait. Voilà. Bon, ça c'est important. Maintenant, j'arrive donc au concept qui m'intéresse quant au fond. Parce que vous devez savoir qu'en égyptologie, il existe un mot énigmatique qui est sematawi. On dit que Sematawi signifie l'union des deux terres. L'union des deux terres.
D'accord? Bon. C'est une graphie. La voici, que je présente ici à gauche. Vous avez le même signe qui passe pour être donc le thème du poumon avec le thème des deux pays, les deux terres. Sachez que cette graphie a déjà une solution grecque. Ça, au moins, c'est un pas sûr, parce que les Grecs, étant en Égypte, ne peuvent pas inventer. OK? Eux, ils lisent cette graphie, somme tous. C'est comme ça qu'ils lisent cette graphie-ci. D'accord? C'est un nom qu'ils affectent à une divinité, on va dire mineure, qui s'apparente plutôt à Horus. Bon, enfin, ce sont des détails, mais enfin, ce qui est important, au moins, c'est la manière de dire. Ça, c'est déjà une indication. Bon, maintenant, sachez que ce mot-là, en Bawang, qui est une langue parlée à l'ouest du Cameroun, chez les Bamiléké, à l'ouest du Cameroun, on dit somte pour dire ami, allié. J'espère que vous savez que c'est somme tous, parce que le ous, c'est une terminaison typique des Grecs. Le fameux ous, là, que vous entendez, c'est grec, typique. Somte. OK? Anarsouci, par contre, qui est une langue d'Éthiopie, somte, c'est huit. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a trois façons d'exprimer la quadrigéméléité. 4, 8 ou 44. Sachez qu'en Égypte, il y avait 44 provinces, 44 noms qui correspondent aux morceaux, évidemment aux morceaux d'Osiris, puisque les noms en perspective sont dans la description des morceaux d'Osiris. Mais il y a une nuance, parce que généralement, ce que Plutarque dit, c'est 14 morceaux. Bon, il dit 14 morceaux. 14, c'est 5, c'est-à-dire 4 plus 1, qui est le chiffre de Koni, et qui est l'expression des quatre points cardinaux. Donc, ils sont dans la description des quatre points cardinaux lorsqu'ils disent 14, c'est-à-dire le centre et les quatre points, c'est-à-dire la position de Koni sur la croix, en fait, c'est-à-dire du nomo, si vous voulez, c'est-à-dire d'Osiris. Donc, c'est une autre manière de dire la même chose, parce que quand on dit 40 et puis 14 morceaux, la plupart des gens peut-être ne feront pas ce lien. Ils vont se dire, mais comment Osiris a été démembré à 14 morceaux, pourquoi on me dit qu'il y a 44 provinces? Non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que le nom a été divisé en 5 morceaux. C'est ce que disent les Dogons. Ils ne disent pas 14. Mais 5 là, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 14. Parce que les Égyptiens, eux, ils disaient 14, d'après Plutarque. D'accord? Bon. C'est ça. Mais 5 représente la croix. C'est la croix. 5. C'est le chiffre de Koni, c'est-à-dire le demi-urge chez les Malinké Bambara. C'est son chiffre même. C'est 5. D'accord? Bon. C'est-à-dire le centre qui représente le grain, qui c'est, et les points cardinaux. Les quatre points cardinaux, ça fait 5. Voilà pourquoi on dit qu'Osiris a été démembré en 14 morceaux, parce qu'il représente la croix. Bon, est-ce que c'est clair ce que je dis? Quand même, je vais quand même vous poser la question, hein, même si ça paraît récurrent. Je suis obligé, parce que je sais que en sortir d'ici, je ne veux plus entendre dire « Ah, oh, c'est compliqué. Oh, franchement, on ne comprend pas. » Non. Je prends la peine d'expliquer. Donc, s'il vous plaît, dites-moi si vous comprenez ce que je dis, parce que c'est important. Vous devez pouvoir le redire avec aisance. Si on vous demande pourquoi Osiris a été démembré à 14 morceaux, dites que c'est la croix. Si la personne ne comprend pas que la croix, est-ce que la croix a 14 branches? Non, vous expliquez que 14, c'est 5. Parce qu'il y a des aspects évidemment ésotériques. Plus vous poussez, plus vous comprenez. Mais il faut savoir l'expliquer simplement. Comme je l'ai dit là, est-ce que c'est compliqué? Je ne le crois pas. Donc, priez simplement de me dire si, c'est clair. Voilà, merci. OK. Merci, merci, cher frère. Merci, chère sœur. OK, frère, c'est clair. D'accord, parfait. Donc, vous avez compris cette partie-là. Maintenant, je reviens donc à notre cas du jour. Puisque ce symbole signifie l'unification de la haute et de la basse Égypte. C'est-à-dire l'unification du pays. Et je vous dis que ce symbole correspond notamment au Bawang, Somt, ami, allié, Banjoun, Somt, l'ami, l'allié, Baham, Somt, ami, allié. On est d'accord jusqu'ici. Mais quand on va en Éthiopie, c'est le chiffre 8. Bon, j'espère que vous savez pourquoi on dit l'ami, l'allié, et que c'est 8. Parce qu'on a parlé du mariage tout à l'heure. Est-ce que j'ai encore besoin de le dire? Je ne crois pas. Je n'ai plus besoin de retourner à ces premières acétates. Parce que je crois que vous savez que l'ami, c'est celui avec qui on a une alliance. Et les alliances se font par le mariage chez les Kémites. Je pense que vous le savez. Donc, on est dans la même description. Ce n'est qu'une autre manière de dire la même chose. D'accord? Mais cette graphie qui est lue, Sematawi, correspond notamment au tigrinien, Somante, c'est 8. Donc quand on dit Sematawi, c'est une convention en égyptologie. On comprend pourquoi ils le disent et pourquoi ils imaginent que c'est l'unification de la haute et de la basse Égypte. Mais
C'est parce que c'est 8. 8, c'est 44. Il y a 44 noms. Donc, 44 noms, c'est-à-dire 44 provinces unifiées, c'est 8. Somante, c'est ça qui devient Sématawi, l'unification du pays. Voilà. Ok, bon, j'espère que c'est clair. Parce que j'imagine que vous avez compris la logique, donc je ne vais pas toujours y revenir. Voilà. Ok. Donc, ici, je vais vous demander quelques secondes de pour souffler, parce qu'on engage la dernière partie qui est aussi relativement importante. Et donc, je vous prierai simplement de patienter quelques secondes et je suis à vous de nouveau. Ok, je suis de retour, merci. Alors, oui, j'ai une question de Banjou Kamara qui demande si Banjoun est une langue. Oui, le Banjoun, c'est une langue importante au Cameroun, parlée à l'ouest du Cameroun chez les peuples dits Bamileke. Voilà, sachant que le mot Bamileke, c'est un mot tout à fait récent qui n'a pas d'effectivité. Mais on comprendra que c'est une manière de dire qui est admise et que chacun comprendra de quoi on parle lorsqu'on dit cela. Mais c'est les peuples de l'ouest du Cameroun. Voilà. Ok? Ok, donc maintenant ici, vous avez donc la carte de l'Égypte pharaonique, bien sûr, et vous avez les principales, disons, les principaux épisodes de ce qu'on appelle la passion d'Osiris. Et j'y ajoute une croix pour rappeler qu'en réalité, j'ai suffisamment insisté sur la symbolique de la croix pour la restaurer dans une perspective kémite. C'est-à-dire que cette croix n'est que l'image du nomo, l'image d'Osiris, hein, le démembrement, les quatre points cardinaux. Ce n'est pas autre chose. Parce que récemment, on a une mauvaise façon d'apprécier évidemment ce symbole parce qu'il est souvent chargé de, voilà, une certaine charge, disons, une certaine idée qu'on peut avoir du passé récent des peuples kémites. Mais il faut avoir des idées claires sur ces questions. Voilà. C'est pour ça que j'insiste toujours pour clarifier ceci. Donc, vous avez donc une succession d'événements. Premièrement, je dirais la mort d'Osiris. Ensuite, Osiris est démembré. Ensuite, Isis rassemble les morceaux du corps d'Osiris. Ensuite, là où elle trouve un morceau, elle leur donne de construire un temple. Donc, à chaque morceau correspond un temple. Ce sont des éléments que nous avons vus récemment lorsque j'ai parlé de la crucifixion d'Osiris, donc je ne vais pas y revenir nécessairement. Chaque province revendique un morceau, puisque les morceaux du corps d'Osiris, par voie de conséquence, ayant été associés. Je veux dire, ayant été associés au temple et les temples eux-mêmes aux villes, eh bien, on comprend que chaque nom va revendiquer un morceau, et c'était effectivement le cas. Et enfin, le corps d'Osiris représente le pays lui-même, parce que les morceaux du corps d'Osiris rassemblés représentent l'Égypte elle-même, c'est-à-dire les quatre points cardinaux. Autrement dit, le pays est à l'image de l'univers, vous devez le savoir, parce qu'un pays a toujours le nord, le sud, l'est et l'ouest, évidemment. Mais sachez que c'est une image de l'univers, c'est toujours une croix. Voilà pourquoi le plan cruciforme est fondamental. Dans les sociétés subsahariennes. C'est comme ça qu'on organise l'urbanisme même. Hein, on ne fait pas n'importe quoi. Parce que le modèle qu'on applique procède de cette compréhension-là. C'est le corps d'Osiris démembré, les quatre points cardinaux, voilà, donc, avec un centre qui est le cinquième point, qui forme donc le démembrement en nombre, 14 et 5, 14 et 5, voilà. OK, si c'est clair, cette partie, donc c'est une introduction qui va nous conduire à ceci. Les anciens Égyptiens ont une façon de désigner ce qu'on appelle la province. D'accord? Ils ont une façon. C'est cette graphique que vous avez ici que j'ai numérotée en 1. Je la situe ici avec un nomographe que vous connaissez déjà. Parce que dans les communications précédentes, j'ai parlé de la notion d'arrière, de colonne vertébrale, en association avec le pilier d'Osiris. Je vous ai dit que le pilier d'Osiris représente la croix, de toute façon. Ça, c'est ce que je vous l'ai dit, et c'est lui qui génère la lumière du monde. Voilà pourquoi
En introduction, j'ai aussi rappelé ce que c'était finalement qu'un ange et pourquoi ils étaient associés à la lumière et portaient des ailes. Enfin bref, ceux qui n'étaient pas là au début reverront le début et comprendront pourquoi j'ai fait cette allusion-là. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Je vous ai dit, n'oubliez pas, que Osiris a été démembré et les morceaux ont été éparpillés et que chaque morceau correspond à un homme, c'est-à-dire une province, un district. Et les anciens Égyptiens, pour signifier le district, produisent une graphie. La voici, ici, à gauche. À droite, vous avez un nomographe qui va me permettre simplement d'aller vite pour solutionner la graphie, c'est tout. C'est-à-dire une graphie qui partage les mêmes signes, mais qui n'a pas le même sens. Et vous voyez que la graphie en question a aussi des signes en position inversée. C'est-à-dire, si vous êtes attentif, vous verrez que le nom du district commence par l'étoffe pliée et suivi ensuite d'un signe qui représente en fait un siège. Dans ce contexte, il figure une sorte de rectangle, mais c'est un siège. Je le dis pour ceux qui s'y intéressent. Et vous voyez que pour signifier l'arrière, c'est l'inverse. Donc, c'est une sorte de métathèse, c'est-à-dire une inversion de phonème si on veut prononcer les mots. Hein, c'est quand même important. Mais comme nous connaissons déjà le nom de l'arrière de la colonne vertébrale, ça va être facile, vous allez voir, de savoir comment on dit le district. Les égyptologues appellent, enfin, lisent Sépat. Ils disent que cette graphie se lit Sépat. Bon, déjà, on comprend que le T, c'est une désinence pour le féminin. Donc, ça ne se prononce déjà pas. Bon, on ne comprend pas. Et la difficulté, c'est aussi que le copte n'a pas enregistré ce mot. Hein, en apparence, tout au moins. Je veux dire, on cherche un copte, on ne trouve pas. Donc, on va dire les Sépat. C'est comme ça que les égyptologues appellent les provinces égyptiennes. Et quand ils ne disent pas Sépat, ils vont dire nom. Les noms, d'après le grec nomos. D'accord? Bon. Donc, en comparant ces graphies, nous allons savoir comment les anciens Égyptiens, c'est-à-dire nos ancêtres de la vallée du Nil, appelaient le district. Comment ils appelaient le district, c'est-à-dire la province, qui évidemment correspond au morceau du corps de Zeus. Et observez bien le déterminatif qu'ils utilisent, parce que je vais y revenir en détail, c'est très important. C'est un déterminatif un peu particulier, vous voyez, c'est une sorte de ligne, comment dire, perpendiculaire. Voilà, et vous comprendrez plus loin ce qu'ils sont en train de dire ici. Bon, donc j'ai dit que puisque je connais déjà le nom du dos, on l'a solutionné la dernière fois lorsque nous avons parlé de la crucifixion d'Osiris. Nous avons parlé du nom du dos, que je reprends ici. En réalité, c'est non seulement le nom du dos, mais du flanc, et de l'arrière, et même de la hanche. Si vous observez les solutions. Par exemple, en lingala, on va dire mbisa, derrière, dos, l'arrière. Wanzi, on dit li, baisser. Hein, le mot, c'est baisser pour dire le flanc. En bassa, c'est mbous, l'arrière, le dos. Ndwala, mbusa, le derrière. Kimbi, bousser, le dos. Poular, béchal, pluriel, baisser, le flanc. Chiluba, loup, baisser. Hein, le loup, c'est un préfixe. Le mot, c'est baisser ou bessa pour signifier le flanc ou la hanche. C'est la lecture effective de cette graphie. Je ne vais pas nécessairement y revenir. Je vais dire, on l'a déjà solutionné. Donc, pour ceux qui prennent en route, vous n'aurez qu'à vous référer à la communication qui a été faite et qui portait sur la crucifixion d'Osiris, où nous avons fait l'exercice analytique pour nous assurer de la lecture que je suis en train ici d'introduire. OK? Bon. Donc, si je sais comment le dos se nomme, mais. Ça veut dire que par voie de conséquence, puisque je sais que c'est une inversion de phonème, je saurais aussi comment la province se nomme. Bon. Et c'est la question qu'en réalité je projetais de vous poser, mais en fait, j'ai déjà apporté la réponse d'une certaine façon. Puisque le raisonnement est le sein est celui-ci, il est bien simple, je le dis. En égyptien pharaonique, vous avez le nom du district et le nom du dos qui partagent les mêmes signes, sauf que ils sont inversés. En position, c'est-à-dire il y en a un qui vient avant l'autre et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la langue parlée, c'est ce qu'on appelle une métathèse, une inversion de phonème. Donc plutôt que de dire BC, je vais dire CB ou quelque chose comme ça. Hein? Disons-le comme ça pour l'instant. D'accord? C'est ce que ça veut dire hein, que si je veux être clair. Donc, puisque je viens de solutionner le nom du dos avec les mots que vous venez de voir, je sais par voie de conséquence à quoi peut se rapporter le nom du district. Sachant que quand je dis le flanc, sachez que c'est l'histoire d'Osiris démembré, découpé, hein, même si vous n'êtes pas encore tout à fait instruit du fait, sachez que c'est cela. Parce que j'ai dit dans la précédente communication sur la crucifixion d'Osiris que les mots du flanc sont les mots des jumeaux. Peut-être que ça vous a déjà échappé, mais je le redis peut-être pour ceux qui n'étaient pas présents.
Sachez qu'on va dire, par exemple, en lingala, l'ipasa, pour dire les jumeaux. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'on dit ambassa, pes, c'est la part, c'est le compartiment, bessé, le flanc. Donc, c'est d'où la dialectique générique des peuples sémites qui vont utiliser cette manière de dire pour faire naître Ève du flanc d'Adam. Parce que ce sont des jumeaux. Donc, ça facilite la compréhension quand on fait cette relation dans les langues africaines. Mais évidemment, dans un contexte sémitique, ça reste mystérieux. On ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais c'est la division cellulaire. Je veux dire les choses clairement. Hein, c'est ça. OK? Bon. Donc, si vous comprenez ce que je dis, sachez donc que je suis dans la description, malgré tout, des morceaux du corps d'Osiris qui sont en fait dans la description des jumeaux, au principe de gémelléité. Ça, c'est sûr. OK? Sauf qu'on insiste maintenant davantage sur le flanc. Et pour ceux qui ont une culture chrétienne, vous savez l'importance du flanc sur la croix, parce que Jésus va être blessé sur le flanc pour les mêmes raisons, hein. Ce n'est pas par hasard qu'on vient pointer la flèche, enfin la lance. Non, ce n'est pas juste pour son martyr et puis dire qu'il a souffert sur la croix. Non, non, non. Parce qu'on veut attirer l'attention sur le flanc, parce que le flanc génère les temples, hein. Faites des nations mes disciples, etc. C'est comme ça que la chose est exprimée dans ce contexte-là. Mais c'est le démembrement du corps d'Osiris qui est mis en scène de cette façon avec le récit du Nazaréen, d'une certaine façon. Voilà. Donc, si vous avez compris ce que je dis jusqu'ici, je vais donc avancer pour dire ceci. Déjà en Bambara, le Bambara à lui seul fait déjà la métathèse qui nous intéressait. Puisqu'en Bambara, pour dire le flanc, le côté, on ne dit plus baissé, évidemment, comme les autres, on dit saba, inversion de phonème. Saba, côté flanc. Donc, ça montre bien que le côté est le flanc qui donne naissance aux provinces, c'est-à-dire aux jumeaux, l'affaire des jumeaux. Et je rappelle que saba, c'est la métathèse de Mbassa, qui est le nom de la croix, par exemple, en Mbassa. C'est le nom des jumeaux aussi, d'ailleurs. Il n'y pas ça, je l'ai dit. Donc, sauf que maintenant, c'est le déterminatif qui précise exactement de quel mot il s'agit. Parce que les déterminatifs, ce sont des lignes, vous le voyez, comme vous le voyez. En Bambara, on dit Saba, côté flanc, Safa. Parce que vous devez savoir que dans les langues subsahariennes, le B et le F, c'est la même lettre. Parce qu'il y a une règle de correspondance usuelle entre la lettre B et la lettre F. On dit Safa, le rang, la ligne, l'alignement. En soninké, c'est Sapa. Alignement, rangé, rang. Wolof, Sapé ou Sap. Je ne sais pas s'il y en a qui parlent Wolof, ils seront corrigés. En tous les cas, ils comprennent certainement ce que je dis. Ça, au moins, c'est sûr. Rangé, Amandinka, Sapu, c'est le rang, c'est la ligne. Coulard, Sap, former des rangs, c'est Sapugol, en fait, parce que le gol, c'est une terminaison propre aux formes verbales. Dans le mot, c'est Sap, former des rangs. Malinke, c'est Safa, le rang, la ligne. Bon, ça, c'est pour la lecture. Donc, on comprend déjà, d'après le déterminatif, que c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qui est translittéré, ces pattes-là. Hein, c'est Sapa, en soninké, l'alignement, la rangée, le rang. Okay? Sauf que ces mots que je présente ici, si j'introduis la langue Bassa, ça c'est pour vous illustrer le fait que ce sont des langues parlées. Il y a toujours une connexion. Et que nous avons la même pensée symbolique. En Bassa, on dit par exemple sep. Le pluriel c'est minsep pour dire la branche, la ramification en parlant d'un arbre. L'organe, organes nationaux. On dit par exemple sep ané pour dire le secteur administratif qui est confié à un ministre. C'est ça qu'on appelle les noms, les districts. D'accord? C'est ça. NSEP, le secteur administratif confié à un ministre, à un gouverneur, à un responsable administratif. Aujourd'hui, on dirait un préfet. Mais je crois qu'on va en sortir finalement. Parce qu'en réalité, c'est un modèle qui n'est pas le nôtre. D'accord? Mais c'est ça. Et vous voyez que c'est dans la description de SAP. Mais c'est ça le mot en fait. Mais ce n'est pas l'objet réel de cette communication. Je ne voulais pas vraiment insister sur. Mais c'est pour vous montrer que, ici, évidemment, je survole parce que c'est important. D'aller quand même à l'essentiel, mais cela n'empêche que parfois je peux comme ça quand même apporter des solutions à des choses qui peuvent paraître énigmatiques a priori, parce qu'on peut toujours considérer que c'est compliqué, les hiéroglyphes. Non, c'est pas compliqué, parce que je suis sûr, en toute objectivité, que si jusqu'ici vous avez suivi ce que j'ai dit, vous pouvez quand même admettre que c'est pas si compliqué que ça, parce que si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Parce qu'à chaque fois je vous pose des questions et vous dites vous comprenez, donc ça veut dire en clair que ce n'est qu'une question vraiment d'exercice, c'est-à-dire vous comprenez. Et là, nous sommes en train de solliciter une antériorité très importante, c'est-à-dire l'administration même d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus le faire. On croit devoir toujours copier. Parce qu'on croit que nous sommes nés avec les explorateurs portugais sur les côtes africaines. C'est ça qu'on raconte.
Mais ça, ce n'est pas l'histoire. Ça, ce sont des histoires de falsification, ça. Donc, il faut bien comprendre que l'intérêt aussi, c'est de comprendre que nous avons des mots, une manière de percevoir le pays et que nous pouvons restaurer nos espaces de souveraineté sur la base de ce que faisaient déjà nos ancêtres, puisque eux, ils ont su produire ce qui a toujours été imité mais jamais égalé, c'est-à-dire la civilisation égyptienne. Pourquoi se contenter maintenant de ce qui tente d'imiter ce que nous avons fait dans le passé il y a des millénaires, quand notre langue contient encore les éléments qui permettent vraiment de réactiver précisément ce qui reste en vie sans jamais être tout à fait égalé. C'est quand même une question de simple logique. Voilà. Donc, maintenant, j'introduis ce que j'ai appelé les fondements. OK ? Plusieurs graphies, mais en fait, c'est la même chose, ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez l'arrière, la colonne vertébrale, l'expression du chiffre 9, qui est en relation avec les néades, c'est-à-dire les jumeaux. Je ne vais pas y revenir. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé de la crucifixion d'Osiris. Le district qui inverse les phonèmes. Et parfois, le scribe simplifie le nom du district, il dessine simplement les lignes, comme vous le voyez, c'est-à-dire le déterminatif. Mais c'est toujours sapé. Donc, ça montre effectivement qu'on dit sapé ou pessa, sapé ou pessa. Et d'ailleurs, je rappelle que pour signifier la Pâque, en hébreu, on dit pessa. C'est de là que ça vient. Sachez que la Pâque n'est que le démembrement du corps d'Osiris. En perspective, c'est cela. Vous devez le savoir, même si je ne développe pas ici vraiment la chose. Non, ce n'est pas compliqué. Même la tabaski, c'est ça. Parce que, par exemple, dans certaines langues berbères, on dit par exemple « tafaska tamegat » pour signifier « bonne Pâque ». Mais c'est « tafaska » qui devient « tabaski hein, » dans les langues du Soudan. La tabaski, c'est le mouton qu'on découpe. C'est le corps d'Osiris. Je pense que vous êtes capable de le voir. Il suffit même d'assister. Quand c'est bien fait, hein, dans les règles de l'art, je le dis même généralement, traditionnellement, déjà, c'est très bien. Je ne sais pas comment les musulmans le font, comment ils découpent, mais il y a certainement un ordre bien établi. Et les morceaux sont orientés, on découpe d'une certaine façon. Les flancs ont un traitement spécifique. D'ailleurs, je pense que vous le savez, il y en a ici qui peuvent d'ailleurs le dire. Quand on découpe le mouton du sacrifice, on ne découpe pas n'importe comment. Mais sachez que c'est le corps d'Osiris qui est démembré. C'est ça qui est... Et sachez que la Pâque des chrétiens, c'est la tabaski des musulmans. Et la convergence, c'est toujours le corps d'Osiris. Voilà. Sauf qu'on vous dira que la Pâque chez les chrétiens, c'est la résurrection de Jésus. On comprend pourquoi. C'est le pilier djihad qui est relevé. Chez les musulmans, chez les hébreux, la Pâque, c'est la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte s'apparente à une naissance. C'est encore l'expression du démembrement, la gémellité, un ensemble de choses. Donc, de toute façon, même si je reste en surface, sachez que quant au fond, c'est Osiris qui explique l'ensemble de ces fêtes. Je dois quand même vous le dire. OK ? Même si je n'insiste pas. OK. Bon. Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est ce déterminatif qui suffit à rendre compte de l'idée de province. OK ? Je vous ai dit que cette détermination, déterminatif, puisqu'il rend compte de l'idée de province, est nécessairement associé aussi au temple, puisque chaque province avait un temple qui était consacré à Osiris, puisqu'on y avait trouvé de facto un des morceaux du corps d'Osiris. Voilà. Donc, c'est comme une corrélation immédiate, c'est évident. Bon, maintenant, j'ai parlé beaucoup des jumeaux. J'ai parlé de la quadrigémellité, c'est-à-dire du chiffre 4, mais je n'ai pas encore parlé du nom que portent les jumeaux en égyptien pharaonique. Okay. Voici la graphie. Et je vais quand même attirer votre attention sur un fait. Voici à l'image la graphie qui rend compte du nom des jumeaux. Et si vous êtes attentif, vous voyez revenir le thème de la dent. Si vous êtes attentif, j'ai commencé avec la dent en parlant des Nubiens. J'en ai abondamment parlé. J'ai dit que la dent est associée à la notion de quadrigémelléité. Si vous avez été attentif, parce que la dent, dans le proto-cananéen, est en relation avec l'arc nubien, qui lui-même est associé au cuivre. Et c'est cet objet, la dent, sous la forme d'une défense d'éléphant, parce que la défense d'éléphant, c'est le thème générique de la dent en Égypte, c'est-à-dire de l'ivoire, qui revient ici. Mais en tant que pictogramme et non en tant qu'élément phonétique. Et vous allez comprendre pourquoi je dis, parce que la valeur phonétique de ce signe ne s'explique pas dans la translittération. Parce que c'est translittéré quelque chose comme HTR ou KTR, dépendamment de la valeur diacritique, enfin de la valeur qu'on accorde à ce signe qui est un signe diacritique. Ce fameux H avec un point en dessous, ça dépend. Mais sa valeur phonétique, ce n'est pas ça du tout, du tout. Mais on comprend que le scribe met ce signe-là, ici, parce que pour sa valeur, disons, en tant que pictogramme, parce qu'il apporte une information qui, pour l'Égyptien
comment dire, l'Égyptien scolarisé, donc qui connaissait l'Égyptien instruit, savait parfaitement à quoi cela renvoie, puisqu'ils savaient très bien que dans leur contexte, dans leur pensée, la dent renvoie évidemment au cuivre, qui lui-même est lié au principe de quadrigémélité. Et nous sommes ici en plein dans la description des jumeaux, donc du principe de quadrigémélité de toute façon. Ok? Est-ce que vous saisissez un peu ce que je tente de clarifier ici? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ok. Donc, Bek Africa dit oui. Dans l'idée que c'est un oui qui est partagé, on va poursuivre. Ok. Donc, c'est cela. Donc, je disais que dans ce contexte-ci, évidemment, c'est une valeur, disons, pictographique. Si je peux dire les choses de cette façon, vous allez comprendre. Et c'est pas une valeur phonétique ici qui est admise, mais vous allez comprendre la phonétique de la chose ensuite. Mais j'attire déjà votre attention sur le fait que la dent n'arrive pas ici par hasard. Ça, c'est sûr, évidemment. Bon, cette graphie a une solution copte. Elle a une solution en copte. Pour lire cette graphie, le copte dit « katere » pour signifier « jumeau double » qui vient d'un verbe qui est « keter » qui signifie « réunir, attacher, doubler, s'unir, concorder, union, joug ». Je rappelle pour ceux qui parlent Wolof, qu'en Wolof, « keter » c'est exactement le nom du poumon. Mais je ne vais pas y revenir nécessairement, parce qu'il y a un lien. Évidemment, puisque les choses ne sont jamais dites au hasard. Quand le Wolof dit « Khéter » pour signifier le poumon, et que le Copte dit « Khéter » pour signifier « réunir, attacher », voilà pourquoi le cryptotype culturel dit, d'après la pensée symbolique des peuples éthiopiens, que le poumon est associé à l'action d'unir. C'est ça, voilà la relation. Et c'est valable partout en tout temps, ça je dois vous le dire. Parce que quand vous voyez se répéter le même schéma comme ça, avec des langues apparemment différentes, c'est-à-dire que derrière, il y a une pensée symbolique, il y a une lumière qui éclaire tout ça. Et c'est cette lumière-là, évidemment, qui nous intéresse, parce que c'est ça, réellement, qui permet de bâtir ce qu'on appelle la civilisation et de construire les rituels aussi, évidemment. Ouais. Donc, je le dis parce que je sais qu'il y en a qui parlent Wolof, ils comprendront pourquoi en Wolof, on dit Khéter pour dire le poumon. Okay? Parce que c'est en association avec la question de l'union, de l'alliance, que d'autres appellent la Semata. Oui. Bon. Okay? Voilà. Donc, cette graphie est solutionnée, je l'ai dit en copte, c'est Khéter pour réunir, attacher, doubler, s'unir, concorder, union, joug, qui est le thème évidemment de la gémélité. Le double, c'est le jumeau. Évidemment, l'union, on comprend qu'on est dans la description du mariage, tout ce qu'on veut. Et en copte, on dit katere pour dire le jumeau, le double. Bon, si c'est clair, j'avance. Maintenant, la phonétique de cette graphie pour le jumeau, la voici exactement. Parce qu'en réalité, ce que fait le scribe, c'est qu'il remplace cette corde tissée en quelque sorte par la dent. Mais là-dedans, dans le contexte, c'est un pictogramme. Parce que sa valeur phonétique, je l'ai dit, c'est pas le H que vous voyez ici. C'est pas ça. Mais comme je ne veux pas compliquer davantage l'exercice, je veux me limiter à ce que j'ai décidé de présenter aujourd'hui. Cela suffira. OK? Donc, sa valeur, en fait, la valeur, ce fameux H avec un point en dessous qui justifie du copte katéré pour signifier le jumeau, c'est la valeur de cette corde tissée-là. Et vous la trouvez ici en contexte avec un déterminatif pour signifier le joug, qui est effectivement le sens que prend également le verbe keter. OK? Et cette graphie a une variante qui décrit deux bovidés en train de tirer une charrue et qui a comme sens attelage de bœufs servant au labourage. C'est le sens de cette graphie, hein, le joug. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, que le joug est donc associé évidemment, à l'action de doubler, etc. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. OK? Si c'est clair, j'avance. J'avais posé il y a quelques jours une question relative à ce qu'on pouvait observer dans ce contexte. Et l'idée a été solutionnée parce qu'en réalité, les anciens Égyptiens ont un thème canonique au niveau, disons, de l'iconographie. Quand ils représentent une charrue qui est tirée
par des animaux, notamment des bovidés, ceux-ci observent toujours le même pas et sont décrits comme doubles. C'est fondamental. Ils sont alignés, pour être plus précis, toujours. C'est un canon égyptien, iconographique. Si vous êtes attentif, vous le verrez à chaque fois que vous verrez représenter des animaux qui sont en train de travailler dans les champs, notamment de tirer une charrue. Ils sont toujours alignés. C'est systématique. C'est pour signifier quelque chose, c'est pour attirer l'attention de l'œil ou de la connaissance, en quelque sorte, sur un élément fondamental qui est précisément le produit de ce travail, c'est-à-dire les lignes. Et je rappelle que ces lignes sont aussi celles qui servent de déterminatif au thème du nom, de la province, du district. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Même si ce n'est pas encore tout à fait clair, je dois vous rassurer que là où je vais, là, ça va être clair. Ça, c'est sûr. Mais puisque c'est progressif, je dois vous amener à comprendre progressivement comment nos ancêtres ont conçu, en fait, la notion de province et toutes ces choses qui viennent ensuite. Donc, lorsqu'ils alignent comme ça les animaux, c'est pour signifier une idée spécifique qui est naturellement le travail des champs qui sert dans l'exercice du labour, bien sûr, à creuser des sillons, c'est-à-dire des lignes. D'accord? C'est ça, c'est ce qu'ils sont en train d'illustrer de cette façon. OK? Et ce sont ces lignes, vous le verrez, qui sont tracées comme ça pour signifier la province, etc. Bon, parce que nous sommes dans la description de l'agriculture qui est la base de la civilisation. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on peut donc solutionner la graphie ici. Puisque la structure phonétique HTR, ou plutôt KTR, dépendamment comment on souhaite phonétiser la chose, correspond notamment au Guindo, qui est une langue de Tanzanie, Kenya, etc. Muitari, qui signifie la ligne, le trait, la rangée. Ngurimi, Omusitari, qui signifie le trait, la ligne, la rangée. Malenke, Sitari, c'est la ligne, c'est le trait. En Swahili, Mstari, pour signifier ligne, trait, rangée. Matengo, Mstali, etc. Hein? C'est ça que le copte transforme lorsqu'il dit Katari. Katari, si vous êtes attentif, vous observez que la structure, parce que c'est le H ou le K, là, en fait, devient un S dans ce contexte-ci. Et en Swahili, on a les deux formes pour justifier du rang ou de la rangée. On dit indifféremment msafa, qui s'apparente au mot utilisé par les langues soudanaises pour signifier la rangée, le rang, ou mstari. Okay? Et je rappelle que l'exercice que je suis en train de réaliser ici consiste à attirer votre attention sur le fait que les rangées ou les lignes sont décrites par le déterminatif des noms, des provinces. Bon, est-ce que c'est clair jusqu'ici? OK, Sana m'a dit que c'est clair. Bon, en espérant que ça allait effectivement. Je vais donc maintenant introduire une nouvelle donnée. Je vais citer Marcel Griol, qui avant d'effectuer le travail que vous connaissez avec les Dogons, notamment au Soudan occidental, a d'abord été en Éthiopie. Il a travaillé aussi en tant qu'ethnologue en Éthiopie. Et voici ce qu'il dit dans un de ses ouvrages issu précisément de cette expérience éthiopienne. Il parle d'un verbe. Le verbe, c'est katara. Vous allez voir que, en fait, c'est ce verbe qui est en association avec la graphie que je viens de solutionner avec le trait à la rangée. D'accord? En gaze, katara, voici ce qu'il dit, ce que ça veut dire. Il dit, en gaze, ce verbe signifie couper. Parce que faire des lignes, évidemment, c'est couper. Je pense que vous avez compris. En amharique, il a le sens de couper, mais aussi protéger, entourer. On l'emploie par exemple pour désigner l'opération suivante. Et il explique dans cette opération. Il dit, pour empêcher un feu de brousse de se propager dans un champ cultivé, on brûle les herbes sur une certaine largeur autour de ce champ. On forme ainsi un chemin de cendres du nom de Keter, qui ne permet pas à l'incendie de se propager à la récolte. On donne le nom de Katara à la rangée de piquets plantés autour d'une tente ronde et à toute corde cousue circulairement dans le cône de toile pour lui donner plus de rigidité. Donc, il explique ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce mot « katara »
qui est encore employé dans le registre de la rangée. C'est ce qu'il explique ici. Donc, c'est toujours l'expression de la rangée. Donc, on va dire sitari ou katara. Sachez que c'est le même mot, hein, même si j'ai souvent l'habitude de le rappeler à chaque occasion. J'espère que vous avez maintenant l'expérience de cette même langue que nous parlons, que ce n'est plus très compliqué de concevoir vraiment cette relation-là. C'est très important, parce que sinon, vous n'y parviendrez de toute façon pas, parce que la pensée symbolique, souvent, se niche précisément entre ces apparences. C'est là qu'on comprend réellement que nous formons un seul et même peuple, c'est clair. Donc, en tigrinya, on dira « katara », faire un barrage. C'est une rangée, hein, un barrage. C'est ce qui est décrit en tant que déterminatif, là, si vous êtes attentif, parce que les égyptologues vous diront que c'est la représentation d'une digue. Ce sont des digues pour délimiter les champs. C'est comme ça qu'ils décrivent le déterminatif pour signifier la province ou le nom. Mais ce sont des rangées, de toute manière. Une digue, c'est une rangée. Je pense que vous êtes... je pense que vous le savez. Donc, en assourci, c'est hatara, hein, faire un barrage, etc. Vous le voyez comme moi. En kemant, qui est une langue couchitique, on dira katara pour dire endiguer, faire un remblai. C'est une rangée, un sillon. Je pense que je suis assez clair. Hein. Vous devez figurer la chose. Un remblai, c'est un sillon. C'est une rangée. C'est exactement la même chose. Donc, on peut dire sitari ou katara, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est le même mot. Dépendamment des langues qu'on parle, des lieux où on se trouve, les migrations font que, évidemment, les accents changent. Donc, on peut utiliser plusieurs formes. Mais quant au fond, la graphie, elle est immuable. Elle dit la chose telle qu'elle doit être dite. C'est la rangée. Voilà. Ça, c'est clair. Bon, si on est d'accord avec ça, maintenant, vous allez comprendre pourquoi nos ancêtres font cette construction-là. À quoi ils veulent en venir? C'est que, de manière tout à fait générique, parce qu'ici, je donne simplement quelques exemples. Le mot katara exprime la passion. Ça, c'est clair, vous devez déjà le savoir. En songhai, par exemple, on dit katara pour signifier le malheur, la catastrophe. D'accord? En sérère, c'est kassara, l'accident, catastrophe. En zarma, c'est asara, ruine, accident, catastrophe. Et là, évidemment, ça paraît plus clair, car c'est le nom d'Osiris. J'espère que vous le savez maintenant. C'est le nom du cuivre. En poulard, kassara, dommage. Mandinka, kassara, c'est le malheur. En noupé, c'est asara, malheur, catastrophe. Sachez que, évidemment, c'est dans la description de ce qui est appelé la souffrance, la passion. Bref, c'est une description de la passion d'Osiris. Bon. J'ajoute ceci quand même pour vous instruire sur le fait que ce sont des formes apparemment différentes, mais qui renvoient toujours toutes à la même image, celle d'Osiris. Parce qu'en gaze, on dit par exemple « wassara » pour signifier « scier, couper avec une scie, diviser ».« Wassari », celui qui coupe avec une scie. « Wessari », être scié. D'accord? C'est le nom, évidemment, d'Osiris. C'est ce mot qui devient « usire » en copte et « Osiris » en grec et latin. D'accord? L'action de couper. Mais quand je dis « wassari » et « asara », c'est le même mot, évidemment. Puisqu'en aoussa, par exemple, « asare » signifie « être coupé ». D'accord? Quand en poulard, wessar signifie wassar. En poulard, c'est. En peul, en wolof, pardon. En wolof, ça signifie être éparpillé. Wessare. Ou wassare. Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui parlent wolof le savent. On dit tassara, tassari, pour signifier éparpillé. C'est le nom d'Osiris même. Celui qui a été démembré. Donc, nous sommes dans la description, évidemment, de la passion d'Osiris. C'est la raison pour laquelle vous verrez plusieurs mythes qui utilisent l'image des jumeaux. Quand vient le temps de décrire ce qu'on appelle les héros culturels. Je donne un exemple concret, celui de Rome, où l'un va tuer l'autre. Mais dans la Bible, c'est foison. Les frères qui tuent leurs frères, ça c'est courant dans les histoires bibliques et coraniques. C'est parce que c'est le modèle institué par nos ancêtres qui revient de cette façon. Le maître du frère, c'est ça qui est là, la passion. D'accord? C'est Seth qui tue Osiris, c'est toujours la même chose. Et dans le cas présent, pour ce qui concerne Rome en particulier, au moins ça c'est très bien documenté, je pense qu'on n'aurait pas de difficulté à retrouver l'histoire, et bien vous comprendrez ce que je suis en train de dire là. C'est toujours l'expression de la passion, ok? Le malheur, etc., la catastrophe, ok? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Bon. D'accord, maintenant que j'ai dit ça, je vais donc aller dans le détail pour vous décrire maintenant le labour et vous expliquer en quoi c'est la catastrophe. Parce que ça, c'est exactement ce qu'on appelle les lamentations d'Isis, le deuil d'Isis. Parce que quand vous voyez deux bovidés, comme à l'image ici, en train de couper le sol, en train de fendre la terre, sachez que la terre,
En Bassa, c'est ici. En Douala, c'est wassé. Ailleurs, c'est ci ou ici. C'est le nom d'Isis. C'est la raison pour laquelle, dans les manifestations de deuil, quand une femme est endeuillée, on va pratiquer sur elle plusieurs choses. Pour les plus spectaculaires, c'est souvent les scarifications. On va lui couper les cheveux. À l'ouest du Cameroun, par exemple, on coupe les cheveux parce que Isis, par exemple, d'après la passion d'Osiris, lorsqu'elle apprend la mort d'Osiris, elle se coupe une mèche de cheveux. Tout ce que je dis là peut être illustré. C'est juste le temps que moi qui me manque. Mais je dois vous dire que la ritualité du deuil s'explique à partir de l'image d'Osiris et à partir de ce que vous avez ici sous les yeux. Voilà pourquoi c'est appelé la catastrophe. Pourquoi? Parce que Isis est en deuil, la terre est en deuil. Et je vous explique le schéma. Vous avez le labour, qui s'apparente donc aux manifestations de deuil, notamment les scarifications. Je ne sais pas si vous connaissez les traditions africaines, il y en a certainement ici qui en connaissent, qui les connaissent mieux que d'autres, mais chez certains peuples, c'est courant. En deuil, on pratique les scarifications pour la raison que c'est une façon de manifester en quelque sorte les lamentations d'Isis. Bon. Ensuite, vous avez les semailles qui viennent après. Quand on sème, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ceux qui sont en train de faire de l'action de s'aimer, ça peut être autant les hommes que les femmes, sont en train de réaliser l'action de Seth. Parce que Osiris, c'est le grain. Qui sait? Qui est en train d'être démembré et éparpillé. Donc, semer à la volée. Hein? Tout autour du champ, les femmes accompagnent, ou les hommes d'ailleurs, accompagnent les semeurs avec des chants de lamentation, de deuil. D'accord? Pendant les semailles. Parce que quand on sème, c'est le corps du héros culturel qui est en train d'être éparpillé, puisqu'il est clissé, c'est-à-dire le grain. Okay? Et quand on dit qu'Isis rassemble les morceaux du corps d'Osiris, c'est parce qu'Isis, c'est la terre agricole, pour être plus spécifique, ce n'est pas le désert, ce n'est pas n'importe quelle terre. C'est la terre où on cultive, c'est Isis. Et quand on dit qu'elle ressuscite Osiris, c'est parce que la terre, permet à nouveau à la graine de germer, en fait. Voilà pourquoi, quand vous décédez, on vous enterre dans la terre, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Et j'ai souvent dit qu'effectivement, plus récemment, il y en a qui tentent une innovation en se faisant incinérer, ce genre de choses. Bon, quand on ne comprend pas vraiment, c'est compliqué parce qu'en réalité, bon, l'incinération peut s'entrevoir dans un contexte, j'allais dire indo-européen, parce que c'est une culture qui procède précisément de ces sociétés patriarcales. Mais en Afrique subsaharienne, c'est impensable. Parce que ça n'a aucun sens que de se faire incinérer. Ça, je le dis parce que c'est souvent des questions qui m'ont été posées, souvent à des conférences, quand je parle de ces questions. On me pose souvent la question de savoir, mais non, parce qu'il y en a dans nos familles qui l'ont fait et qui le font, sans nécessairement savoir quelles peuvent être les implications. Parfois, on dit qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. Donc, non, l'Afrique est vaste, franchement. Si vous cherchez la place en Afrique pour vous faire enterrer, c'est chez vous. Chez vous là-bas. D'où que vous soyez, hein, je parle ici, pas que des subsahariens. Hein. D'où que vous soyez. Si vous n'avez pas envie de connaître des chemins un peu bizarres, parce qu'on ne sait jamais où. Ouais, parce que la nature a une façon vraiment de fonctionner. C'est cette lecture qui fait les rituels. Donc, quand vous vous faites brûler, on ne sait pas où vous allez. Donc, mieux, sauf accident, parce qu'on peut mourir dans un incendie, c'est sûr, ce sont des accidents, mais à côté de ça, on fait des rituels quand même, je dois lui dire aussi. Hein. C'est pas comme si on n'abandonne pas les gens comme ça. Mais, il faut quand même savoir que ce sont des choses importantes. Hein. Il n'y a pas de stress, la terre appartient à tout le monde. Bon. En tout cas, bref, ça, ce sont des détails. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, c'est exactement cela, c'est le deuil. Ceux qui sont en train de semer sont en train d'éparpiller le corps d'Osiris. C'est qui c'est? Hein? Et à côté, en principe, souvent dans les champs, vous verrez, il y a des femmes. Et quand c'est bien fait, quand on comprend un peu la tradition, vous verrez, ce sont plutôt des lamentations, des chants de lamentation. Hein, qui sont en train d'être annoncés dans ce contexte. Et puis, Isis, c'est la terre qui rassemble le morceau du corps d'Osiris. C'est pour ça que c'est aussi elle qui demande de bâtir des temples. Parce que c'est sur la terre qu'on construit des temples, évidemment. Je pense que vous le savez, d'où l'idée même de propriété, de domaine, etc. Voilà. Et c'est elle qui détermine ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est-à-dire, un espace est sacré parce que quand elle a sanctuarisé le fait. OK. Bon, ça, c'est quand même important, même si. Alors, je vais juste rappeler ce que dit Jean Annie, qui était un auteur français malheureusement décédé aujourd'hui, qui a publié en 1971 sa thèse de doctorat sur la religion égyptienne dans l'œuvre de Plutarque, où il rappelle ceci: la date du meurtre d'Osiris donnée par Plutarque est le 17 d'Attir. Bon, je n'irai pas dans le détail du calendrier parce que c'est une date qui est aussi connue, je reviendrai ultérieurement, ok? Parce que nous sommes aussi dans une démarche de restauration.
Je reviendrai ultérieurement, sinon ça va étirer la conversation. Donc, la date du meurtre d'Osiris donnée par Plutarque est le 17 du mois d'Athyr. Cette date est confirmée par le papyrus Saliès IV. Et on dit précisément dans ce papyrus, le 17 attire Kassara, 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 c'est-à-dire malheur, 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 catastrophe. La mort d'Osiris, d'accord? Grande lamentation d'Isis et de Nephthys, c'est-à-dire les sœurs jumelles, sur leur frère qui, en contexte, est appelé Ounnéfer ou Ounounnéfer ou Ounnéfer, c'est-à-dire, bon, certains disent l'être perpétuellement bon, parfait. Bref, c'est l'expression du chiffre 1, tout simplement. C'est le rédempteur. Voilà. Donc, c'est simplement pour illustrer un peu plus clairement l'idée de scarifier la terre, d'ouvrir, de labourer. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Voilà pourquoi les manifestations du deuil en Afrique subsaharienne utilisent justement ces aspects-là. C'est important quand même de le savoir. Voilà. Donc, naturellement, ça ne finit pas parce qu'au bout de cela, vous avez vraiment la chose même à laquelle nous devons parvenir pour actualiser le fait. C'est ce qu'on appelle la catharsis. En Poular, on dit katare pour désigner le savon. D'accord? Mais c'est un mot que les Grecs récupèrent pour en faire l'expression de la catharsis. Parce qu'en grec, on dit katero. Et je rappelle que c'est toujours katara. Même si les formes changent, les voyelles peuvent changer, le mot reste le même. La structure phonétique est toujours la même. Tout part des jumeaux. D'accord? On dit katero pour signifier purger, nettoyer, laver. Katharos, pur, clair, sans tache, immaculé. Katharticos, purifiant. Katharthès, nettoyeur. C'est ce mot qui est à l'origine du mot français catharsis, qui n'est autre que la purgation des passions, la condition du vivre ensemble. D'accord? Voilà pourquoi le principe de l'humilité est fondamental. On le trouve dans l'expression de ce qu'on appelle la sémataoui, à travers la quadrigeméléité, évidemment, mais ça ne s'arrête pas à ces premières évidences. Évidemment, ça s'étend aussi à la description même de ce qu'on appelle la purgation des passions, c'est-à-dire la catharsis. D'accord? D'où le bénéfice de la musique, parce que la musique, j'en ai parlé il y a quelques jours, intervient dans ce registre de manière tout à fait fondamentale. Quand on dit sitare, c'est ça qui donne le mot guitare, je l'ai dit, le mot sitar. D'accord? Parce que la musique purge les passions. OK? Donc, c'est important, parce qu'il fallait quand même parvenir à cela, c'est important de comprendre en quoi ceci est fondamental. Maintenant, je reviens en forme de conclusion au symbole par lequel nous avons introduit la question des jumeaux, c'est-à-dire la défense d'éléphant. OK? Je vous ai dit que, en contexte, ce signe apparaît ici comme un pictogramme parce qu'il a déjà l'information nécessaire que veulent nos ancêtres pour signifier tout ce que les jumeaux peuvent avoir comme bénéfice dans leur description, notamment la catharsis, un ensemble de choses. Voilà, je ne vais pas y revenir. OK? Le cuivre, toutes ces choses. On se sert de la défense de l'éléphant en tant que pictogramme, parce que ici, évidemment, je l'ai dit, sa valeur phonétique n'intervient pas. Donc, ça veut dire que c'est plutôt son symbole ici que le scribe est en train de revendiquer. Bon. La première chose, c'est que vous devez savoir, c'est qu'en Banjoun, qui est une langue à l'ouest du Cameroun, je l'ai déjà cité, on dit somt pour dire l'éléphant. C'est ça qui est somtus pour dire la sématawi. J'espère que vous l'entendez. En Baham, à l'ouest du Cameroun, semt pour dire l'éléphant. En Bati, som pour dire l'éléphant. En Bawang, à l'ouest du Cameroun, somt pour dire l'éléphant. Dans le même Banjoun, somt désigne aussi l'ami. Voilà pourquoi on sait que c'est somtus, c'est-à-dire le fameux sématawi, là, le chiffre 8, pour être clair. Okay? En Féfé, chez les Baganté, Cameroun, on dit Semt, ce sont des langues apparentées. Toutes ces langues sont des langues dites babiléké, d'accord? Donc, c'est l'ami. Okay? Ce sont des variantes phonétiques d'un seul et même mot, parce que, évidemment, c'est une aire culturelle qui est homogène, donc ils parlent la même langue, même si on n'en a pas toujours, on n'a pas toujours ceci présent à l'esprit. Et évidemment, c'est le nom du cuivre en copte. Ça, c'est quand même fondamental. C'est pour ça que j'ai dit, ne perdez pas de vue que c'est cette dame qui revient ici. En copte, on dit somt pour dire le cuivre. C'est ce qui est écrit ici. Vous voyez? C'est le cuivre. C'est le thème du Nubien. C'est le thème du Nubien. Celui qui, évidemment, a construit tout ceci. Et les conséquences de ceci sont fondamentales aussi, du point de vue de l'histoire maintenant. Même si je ne vais pas dans ce détail, sachez que c'est fondamental. Une fois qu'on a compris ça, le démarrage, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne pouvais même pas imaginer les conséquences.
parce que il y a tellement de mythes qui sont non-européens qui racontent cette histoire, tellement de mythes. Donc, ça montre que ce sont nos ancêtres qui ont institué un certain nombre d'États aujourd'hui qui paraissent avec des figures tout à fait différentes. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je voulais déjà premièrement insister sur ces éléments-ci, car en Banjoun, pour ne citer que le Banjoun, on dit Somt, l'éléphant, et Somt, l'ami. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je vais maintenant du côté du Soudan occidental, comment s'appelle l'éléphant en Bambara? Sama. C'est le nom de l'éléphant. Et Sama signifie aussi tirer à soi. C'est pour ça qu'on représente parfois la Sematawi entre, par exemple, Horus et Seth qui sont en train de tirer sur une corde. D'accord? C'est Sama en Bambara. Tirer à soi. Samakala, bander un arc. C'est clair. C'est clair. C'est ce que ça veut dire en Bambara. En Bambara, on dit donc Samanine pour dire l'ivoire, les dents de l'éléphant. C'est-à-dire les défenses de l'éléphant, si vous voulez. Samanine. Sachant que Nine, qui désigne la dent, c'est aussi le nom de l'allié en Bambara. C'est le même mot, hein? En Bambara, on dit Nine pour dire la dent, Nine pour dire l'allié. Hein? L'allié, celui avec qui on a une alliance, l'ami, si vous voulez. C'est clair et c'est net. En Maoka, qui est une variante malinké parlée en Côte d'Ivoire, c'est encore Samanine. En malinké, c'est Samani pour dire défense d'éléphant, c'est-à-dire l'ivoire. Donc, nous sommes ici dans ce qu'on appelle le cryptotype culturel. C'est-à-dire, une fois que vous avez compris ça, mais ça va simplement rouler, simplement. En Swahili, on va dire Djamani pour dire l'ami, l'allié, qui est une variante de Samani. Et en Bambara, on dit encore Djamani pour dire le pays. C'est le pays, la nation. C'est ça. Et voilà comment les Soudanais conçoivent la notion de pays, de nation. C'est l'Égypte pharaonique même, dont la ressource, n'oubliez pas, la ressource fondamentale du point de vue spirituel, c'est la Sanankunya. Même si je n'en parle pas ici, j'espère que quand j'ai dit catharsis, vous avez compris que c'est la Sanankunya. Parce que la Sanankunya, c'est exactement ça. La Sematawi, là, c'est exactement la Sanankunya. Sauf qu'aujourd'hui, bon, ça aurait été long, je parlerai de la Sanankunya dans le détail une autre fois. Avec les reliefs égyptiens, je vous montrerai comment la chose paraît plus clairement. Mais sachez déjà que dans la description, au moins, vous avez la réalité du fait. Donc, cela nous impose de comprendre comment la Renaissance africaine doit être envisagée. Hein? Faire frère, c'est ça. Comprendre ces corpus et travailler à comment dire, réintégrer hein, nos sociétés précisément dans ces corpus parce qu'ils sont immuables. Si on vous dit que cette civilisation a duré 3 millénaires au moins, mais vous allez encore chercher des systèmes politiques, des institutions que la Terre n'a pas vu. Quand les plus prestigieux, les plus innovants durent à peine 50, 100 ans. Hein, quand vraiment c'est trop fort, là, les républiques, toutes ces choses, ça dure combien de temps? Même les empires, ça dure combien de temps? L'empire romain, en relation avec l'Égypte pharaonique, il n'y a même pas photo. On peut pas comparer. Les Assyriens, on ne peut même pas comparer. On peut pas comparer. Donc il faut quand même savoir ce qu'on veut. Hein? Si on veut réussir, si on veut être dans le monde, nous avons nos corpus, les dépoussiérer et arrêter de copier. De croire que, hein, que c'est la République qui va nous apporter la Renaissance. Il faut arrêter de croire cela. C'est une croyance. Ce n'est pas la réalité. OK? Voilà. Donc, je pense que les choses sont claires. Bon. Ayant dit ceci, je vous présente donc la réactivation du fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez nos rois, et ils sont nombreux, notamment à l'ouest du Cameroun, et pas seulement, qui posent toujours avec des défenses d'éléphants. C'est une façon de représenter Somt, c'est-à-dire la Sematawi. C'est une manière hein, actualisée de représenter, d'incarner l'unification des deux terres, du monde visible et du monde invisible, avec les défenses d'éléphants. C'est pour ça que ça apparaît de cette façon. Ça signifie unité, ça signifie entente. Et ce sont les attributs de la royauté en Afrique, je pense que chacun le sait. Voilà pourquoi ça apparaît de cette façon, les défenses d'éléphants associées à la royauté, pour les motifs que c'est le symbole même de l'unification des deux terres. OK? Et je voulais conclure en faisant un clin d'œil à notre frère qui nous a malheureusement quittés très tôt, où vous retrouvez, évidemment, manifeste encore ce fait sur son trône. Ce sont des défenses d'éléphants qui sont représentées de cette façon, pour signifier que l'unité culturelle, bon, ici c'est évidemment une œuvre d'inspiration artistique, mais enfin, elle a quand même marqué son époque pour rappeler hein, que nous pouvons innover dans ce contexte-là. Et rester en accord avec la pensée, avec nos langues et notre pensée symbolique. Et ce qu'on appelle la tradition, ce n'est pas archaïque, ce n'est pas des archaïsmes, ce n'est pas quelque chose qui est passé et puis on imagine que la modernité, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. Non.
C'est une mauvaise façon de concevoir les choses. Nous pouvons innover à partir de ce que nous savons du monde et de la civilisation. Il s'agit simplement d'être inventif, mais de rester dans l'orthodoxie des choses, parce que l'univers a une façon de s'exprimer et nous devons coller à cette façon, car c'est ce qui permet de faire justement cet échange et de maintenir cette alliance intacte. Quand elle est brisée, c'est qu'on commence à faire n'importe quoi. Parce que l'alliance avec Dieu, c'est une alliance consentie. Je l'ai souvent expliqué à d'autres occasions. Il n'est pas obligé de vous gérer. Il vous gère s'il trouve son compte. Donc, si vous brisez cette alliance, évidemment, vous allez pousser comme une mauvaise herbe dans un jardin. Jusqu'au jour où vous allez vous souvenir que vous avez un Dieu et vous avez des ancêtres. Voilà. OK? Voilà. Donc, écoutez, une autre histoire est possible. J'allais conclure là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Il ne me reste plus qu'à annoncer en fait ce qui vient en termes d'activité. L'année prochaine, nous avons donc le voyage en Égypte. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le voyage aura lieu au mois de novembre. Prière pour vraiment vous instruire sur ces questions, de communiquer avec l'association à l'adresse indiquée ici, ngel.i@yahoo.com. Voyage en Égypte, c'est en novembre. Nous avons également un événement très important, la Koumaba, qui est prévue au Sénégal l'année prochaine, au mois de juin. Donc, aussi, ceux qui souhaitent nous accompagner, évidemment, les inscriptions sont ouvertes à la même adresse. Et tous les détails, évidemment, donnés à cette occasion, parce que moi, naturellement, je ne peux pas aller dans les détails, vous comprendrez, ça risque d'être long. Et évidemment, également, le semestre, l'inscription au cours pour l'école des scribes pour le semestre qui vient, c'est-à-dire à partir de janvier, eh bien, est déjà ouverte. C'est-à-dire, ceux qui souhaitent rejoindre l'école des scribes peuvent également écrire à l'adresse ngel.i. C'est toujours la même adresse, d'accord? Parce qu'on pose à chaque fois des questions. Ce n'est pas sur Facebook que moi, je peux vous répondre. Ce n'est pas la peine de m'écrire parce que je ne suis pas nécessairement au fait. C'est une institution, cette association, et elle est très bien organisée. Elle saura apporter toutes les réponses dont vous avez besoin vraiment pour organiser du mieux possible, que ce soit l'inscription, que ce soit les différentes activités, notamment le déplacement en Égypte ou au Sénégal. Voilà. Et pour ce qui concerne cette communication, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas de les adjoindre en commentaire. Et dans la prochaine communication, que je l'espère aura lieu la semaine prochaine, eh bien, je prendrai le soin en introduction de répondre à vos questions. Et c'est aussi l'occasion pour moi, enfin, de rappeler que vous avez cette possibilité également de souscrire aux différentes chaînes qui sont les nôtres, que ce soit à Contrario ou Air de Battage, car ce live est diffusé en simultané sur ces deux chaînes. Pour souscrire, il suffit de cliquer sur le bouton bleu. Parfois, si vous avez un téléphone, le bouton bleu marquera « s'abonner », mais c'est en bleu. Si c'est un ordinateur, vous allez voir « rejoindre », et c'est en bleu. Et à ce moment-là, vous verrez donc les conditions pour pouvoir souscrire à la chaîne, ce qui est pour nous d'un soutien notable, car naturellement, cet exercice que nous réalisons dans un tel contexte n'est possible aussi qu'à condition que nous ayons votre soutien, car c'est parce que, je le dis à chaque fois, que vous vous intéressez au travail que nous réalisons dans ce contexte, que nous pouvons effectivement le réaliser dans les bonnes conditions. Voilà. Donc, je pense que nous arrivons donc au terme de cet échange. J'espère, bien évidemment, que, ayant pris le temps réellement de vous relancer à chaque occasion, que les discussions qui suivront cet échange pourront simplement enrichir, serviront simplement à enrichir ce corpus que je n'ai fait que survoler. Naturellement, si vous souhaitez en savoir davantage, évidemment, je dois vous le dire aussi, c'est une matière qui, pour nous, est traitée de manière beaucoup plus approfondie dans le cadre de l'école des scribes. Donc, je le dis pour ceux peut-être qui restent sur leur faim, qui se disent « mais comment savoir plus ?» Parce que, évidemment, je n'ai fait que survoler, je vous dis. Hein, c'est, même si vous avez le sentiment d'avoir déjà beaucoup d'informations, ce n'est rien en comparaison de ce que vous êtes censé savoir lorsqu'on parle de certains corpus égyptiens et en relief aussi de une certaine ritualité des peuples soudanais en particulier. Voilà, parce que c'est tout. C'est une chose que de songer à l'actualisation, mais il faut savoir comment faire. Et c'est ce à quoi nous assignons précisément une part essentielle de ce que nous faisons dans le cadre de l'école des scribes, au-delà, bien sûr, du fait, naturellement, d'étudier les caractères sacrés égyptiens, puisque c'est une école des scribes. Voilà, je vous remercie. Je ne prendrai pas de questions parce que je pense que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait. Je vous ai suffisamment relancé. Si vous avez des questions, prière de les indiquer en commentaire. Encore une fois, ce live n'était pas prévu de débuter plus tôt, je l'ai dit, mais j'ai des contraintes qui m'ont obligé à débuter un peu plus tôt. Donc, j'espère que vous ne maintiendrez pas trop rigueur. J'espère que vous en sortirez également grandi sur le thème
que j'ai souhaité aborder avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire les fondements spirituels. Les fondements spirituels de la civilisation égyptienne. Et que, eh bien, ces thèmes pourront... que ce thème, disons, paraîtra moins lointain. Parce que lorsqu'on parle de cette civilisation, en fait, elle est actuelle. Parce que vous voyez que j'ai essentiellement utilisé des mots qui procèdent des langues qui sont actuellement parlées. Et cela suffit pour comprendre l'intérêt que nous avons à nous intéresser précisément à ce que nous appelons les humanités fondamentales ou les humanités classiques africaines. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.